tous et bienvenue dans l'émission Cult and Click. Cult and Click, l'émission où le premier d'entre nous qui dit le mot Netflix touche 50 euros. Oh putain! Et c'est une émission de qualité ce soir. Et j'ai pris tout le monde de vitesse, ils sont dégoûtés. Et oui. Non, alors déjà, tu connais pas du tout la grille tarifaire. C'est 75 euros sur le premier et 50 sur les autres. Dégoûté, eh bien, je parle de qui? Eh bien, je parle de mon premier invité. Salut à toi, monsieur Caretan, Care de son surnom sur le Waves. Eh bien, comment tu vas? Ça va, je regarde. Super, et Cardel est donc notre bonjour. Deuxième invité. Et c'est d'autant plus une émission de qualité que j'ai mis la max de caméras pour le journal du hardware hier. Et on a 5 caméras pour, attends, nos gueules. On a une caméra chacun. Alors nous, d'habitude, le Cult & Click, ouais, on est là depuis une dizaine d'années. On a une caméra, le journal du hardware, il y a 5 caméras. Est-ce que quelqu'un peut regarder sur Wikipédia, en fait, la question... Non mais je peux pas parler parce que je suis rouge aussi. Je voulais dire, qu'est-ce qui est au-dessus du rouge? Est-ce que c'est l'espoir indigo, le cyan carmin? Je ne sais pas. En tout cas, Kair, tu regardes. En plus avec tes yeux bleus, on a l'impression... Comme ça. C'est bon, la régie a travaillé. Je suis rouge comme un cul gratté à deux mains et vraiment ça m'agace. Ça donnait l'impression qu'un dauphin se noyait dans un volcan. Là t'es c'est pas mal. Là vraiment pas mal. Bah là c'est la vraie. Là c'est sans. C'est Amiens. C'est Amiens. C'est le sud d'Amiens. C'est sans barbe rouge. Barbe rouge. Enfin voilà, et donc du coup, eh bien, j'ai envie de dire bonjour à Dean Gordon, à Nash 248, Ultimate Skrull, Canaland, Dross Rayo, GL, Pantarou, Hipster du Rocher, Totsunomi, C2 Nomatoma, Jamel, Lolmel, Godzilla et tout, Monsieur Sapin dans l'arrêt, et Monsieur Sapin. On salue Sapin et Pantarou, bien évidemment. Mais on devient hype, et donc les streamers nous regardent. Et il y avait Mister MV, là où tu vois où je suis assis là, le canapé est chaud parce qu'il y avait les fesses célèbres de Mister MV, j'en suis tout chamboulé. Ouais. Et Il y a peut-être un peu de ces molécules sur toi, d'ailleurs. Peut-être. Ouais. C'est incroyable. Et c'est toujours à la fois. C'est toujours ce que j'aime bien avec R, c'est que c'est toujours un mélange de ce simplicité et d'une espèce de perversité vraiment latente, continue. Toujours. Un truc un petit peu malsain. C'est ce qui fait son charme. C'est vraiment leur. C'est grâce à ça. Vous n'allez pas reprendre alors que je suis à quoi? Allez, 5 heures de mon anniversaire. Ah bah oui, c'est vrai, tu es né le 25 novembre. Et ouais. Et oui. Et du coup, on peut en parler. Donc, tu as prévu un marathon toute la nuit pour ton anniv. Pas du tout. Vous allez pouvoir envoyer des dons toute la soirée. Vraiment en gros crevard. Mais t'es que t'as fait un cadeau d'ailleurs. Hein? T'es que t'as déjà fait le cadeau d'ailleurs. Ouais, il m'a offert une affiche du monde d'Arlo. Qui s'appelle d'ailleurs Le Voyage d'Arlo. Waouh. Ça, c'est vraiment stylé. Vraiment, la prochaine fois, Tech. Arlo ? Écoute, Tech, c'est super stylé comme cadeau. Vraiment. Tous ces types de cadeaux, essaye de tous les filer à Kerr. Et quand on aura d'autres, ce sera pas mal. Ce sera pas back bay. Bah, joyeux anniversaire à Korn 59 aussi. Ah oui, il y en a trois. Il y en a deux sur le chat qui sont nés le 25. J'y crois jamais. Le chat, je crois jamais quand il dit que c'est son anniversaire ou qu'ils ont trouvé la solution pour le cancer. Je crois jamais à ce qu'ils disent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On enchaîne directement. Allez. Est-ce qu'on rentre dans l'émission? Oui, on peut. À deux pieds et même à trois mains. Allez, eh bien, j'ai envie de dire, on commence. Est-ce que tu as un Stropole cette semaine ou pas du tout? Non. Non, tu n'en as pas. Je trouve plus d'idées de questions. Mais il a une mission sur cette émission. Mais du coup, nous, on prépare toutes les news. On l'anime. Et lui, il doit juste faire le Stropole. Il le fait pas. Non, mais sans déconner, t'as fait quoi? J'ai regardé Jessica Jones. Bah, t'as fini? Non. Bah moi oui. Mais attends, c'est pas la série de Netflix. Et pourtant, j'ai pensé au fait qu'il fallait un Stropole quand l'émission elle a commencé. Ouais. Alors, attends, je vais vous en créer un. C'est incroyable de travailler. Fais un Stropole, de travailler. Tu mets en choix un Jessica et en choix deux Jones. Il y a des câbles, bordel. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Je vais vous trouver un Stropole. Êtes-vous déçu par Jessica Jones? Voilà. C'est comme ça, on n'oriente pas trop la question. Et on... Mais je n'ai plus de clavier, donc ça va être compliqué. Mais ça, c'est le journal du hardware. Ils ont tout changé pour mettre un Steam Controller ne marche plus. Non, c'est tout simplement, ils ont mis, tu sais, le système dans le journal du hardware. Ils ont présenté le truc qui permet de contrôler, tu sais, à distance avec la rétine des yeux. C'était fait pour les gens qui avaient la maladie du scaphandre. Voilà, et donc en fait, il faut... C'est des gens qui ont mis un scaphandre qui n'arrivent plus à l'enlever après. Voilà, il faut cligner, et quand tu clignes, ça fait A, B, ça... C'est vraiment beau ce qu'ils ont fait dans le journal du hardware. Bon, on enchaîne. J'ai envie de dire, il est grand temps. Et donc, s'il n'y a pas de Stropole, c'est le moment
de Kerr, c'est le moment où Kerr nous dit un peu quelle est ta news de la semaine. Ma news de la semaine, déjà là comme ça d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Je vais vous parler de pognon, hein, parce que vous savez que c'est. C'est ton premier sujet. Enfin, c'est, voilà. Après un autre. Après, en effet, le bien-être, la philosophie quantique. Alors, le pognon pour le box-office, puisque ce week-end est sorti aux États-Unis Hunger Games, donc le chapitre 4 qui s'appelle Mockingjay Part 2, ou La Révolte en français, parce que Mockingjay, eh ben, on savait pas le faire. Tu serais gentil de mettre le filet, Cardel, que je puisse voir ce que je fais, car figure-toi que je suis en train de travailler. C'est vrai que tu te souviens jamais de ce que t'écris. Là, c'est des questions de pognon, donc forcément, il y a des chiffres, et les chiffres, eh ben, on les mélange. Donc voilà. Alors, Hunger Games est sorti donc vendredi aux États-Unis. Il a bien évidemment pris la tête du box-office, ça n'est pas une surprise. Le box-office américain qui a été dominé assez faiblement par James Bond Spectre, on en parlera après. Et Hunger Games, bien évidemment, termine ce week-end en tête avec 101 millions de dollars. Vous allez dire, wouh, c'est énorme. Eh ben non, c'est pas fou, puisque c'est le moins bon démarrage pour un Hunger Games aux États-Unis. Et c'est une grosse surprise, puisque tout le monde, du côté des spécialistes du pognon, avait misé sur un gros départ d'Hunger Games supérieur au record de la série qui était le 2 avec 158 millions de dollars. Là, c'est 101 millions de dollars. C'est inquiétant pour Katniss Everdeen. Est-ce que c'est un de mauvais retour de l'épisode 3? C'est possible, puisque le Hunger Games 3, donc La Révolte Part 1, était particulièrement mauvais. Donc voilà, Hunger Games qui démarre mollement. Il a quand même dépassé le 1 million d'entrées en France. Donc c'est pas mal. Mais il va falloir attendre un petit peu pour savoir si Hunger Games 4 sera définitivement le pire des Hunger Games en termes de box-office ou pas. Et puis enchaînons tout de suite sur James Bond. On nous a vendu que c'était un raz-de-marée James Bond. On nous l'a mal vendu, car ça n'est pas vrai du tout. James Bond aux États-Unis. Pourtant, c'est marré. Ouais. James Bond aux États-Unis ne devrait pas passer la barre symbolique des 200 millions de dollars, qui était le minimum syndical pour Sony. Sony misait 300 millions de dollars sur Spectre, 200 millions dans le pire des cas, et ben ça ne devrait pas arriver pour Spectre, qui là est bloqué à 150 millions et qui cette semaine a fait 15 millions de dollars. C'est vraiment nul. Le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Il y a un bouche à oreille catastrophique sur le film. Le film est parti aussi fort que ce que tout le monde espérait, et puis après les gens se sont rendus compte que peut-être il y avait un problème. Mais oui, que c'était nul. Peut-être que le scénariste n'était pas là. Non. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé sur Twitter pour me dire Va te faire enculer. Hey Kerr, ce mec-là ou un autre? Tu parles de qui? Non, c'était très poli. Pour me dire que la personne ne comprenait pas mon avis négatif sur Spectre. Ne spammez pas Kerr en disant ça. Car le film était parfait. C'est Ken Bogard, tu peux le dire. Non, c'est pas Ken Bogard. Ah oui, il a aimé Ken. Ouais. Oui. Merde. Oui. Avec Mizu. Mizu. Donc voilà. Okay. Et bah du coup je vais enchaîner, puisque tu parles de Kayas, et bien, je vais parler de Rocher, et je vais parler également donc de Pépettes. Et oui, parce que... Mais toi aussi, tu fais une news pépette. En fait, le truc, c'est que je n'ai plus le luxe de faire les news Kerr et les news Cardell. Et du coup, cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire une news à la Kerr, une news thune. Et c'est quoi? C'est pour dire que selon Variety, c'est un magazine dont, au final, on s'en fout pour l'histoire de la news. Variety, j'ai vu avec Pentaru, on est passé devant le siège social de Variety à Los Angeles. Et donc, pendant que Pentaru conduisait notre magnifique voiture, j'étais là en train de dire à Pentaru, regarde, c'est le siège social de Variety. Je pourrais le glisser pendant l'émission et couper Bigby sans aucun respect. Tu peux reprendre. Voilà. Et donc, en fait, la question, c'est donc le Stropole qui a été préparé par Cadel, il va le lancer. Est-ce que les interventions de Kerr sont vraiment, vraiment, vraiment justifiées? N'hésitez pas à répondre sur Twitter, Skype et en Dédos. Ok, donc du coup, tout ça pour vous dire que dans le magazine Variety, pendant que les gens demandaient sur le chat que je reprenne la parole assez vite, visiblement les gens savent. Star Wars épisode, très nombreux, donc l'épisode 7, et aurait déjà atteint les 50 millions de dollars de pré-vente. C'est-à-dire que le film, il est même pas sorti, on sait même pas s'il est bien ou nul, et pourtant, déjà c'est sorti. Et Variety annonce qu'au vu de la courbe d'accélération des pré-ventes, on s'attend à avoir 100 millions de dollars
en prévente. Alors certes, le dollar, vous allez me dire, n'est pas aussi fort qu'avant. Certes, le cours du marché du dollar n'est plus... Je peux rentrer dans ce débat avec vous, mais pas maintenant. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que le film, même s'il a chié, déjà, il va se faire ses 100 millions de patates. Ouais, mais il en c'est a ouf. Coûté plus. Ouais, combien il a coûté? Énormément. Oh, ben, oh, il a déjà coûté c'est très cher suédé, en termes hein, de... C'est du carton. C'est du... Il a coûté très cher en termes déjà de promotion. Donc, déjà, il rembourse mais, pas sa promotion. C'est-à-dire combien? Mais j'en sais rien, j'ai pas les chiffres. Tu dis des choses, mais voilà, t'en as mais c'est au moins facile de 100 millions sur la promo. 200 millions. Ok, on va vérifier. Tu es dans la merde, Kerr. Tu es dans la merde. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a le Stropole pour Monsieur Tech en régie. Il y a le Stropole qui est mis dans le filet. La question est donc, comme demandé par Bigby, les interventions de Kerr sont-elles justifiées? Oui, non, et elle est où la chute? Et on va passer du coup à la prochaine news. C'est à mon tour ou tu avais fini? Bah écoute, il est dans le filet, Monsieur Tech. Eh bien, du coup, je suis déçu parce que le budget du film en production, c'est 175 millions de dollars avec une fourchette haute à 200 millions. Mais ils vont les faire easy de toute façon. Ça y est, pas bah là, soucis. Du coup, ils ont fait la moitié déjà sur les préventes. Ouais. Donc déjà, ils sont peinards là. Non mais. Et puis, on parle pas des DVD, on parle pas des goodies, on parle pas de tout ce qu'ils nous ont pu nous mettre jusqu'au fin fond du rectum. Là, c'est là, ils sont tranquilles. Quoi, les collectors, le. Ah ouais, non. Tout ce que Kerr va acheter. Non mais là, vous trompez. Rien qu'en salle, le film va rapporter. Au moins, et je le dis, et voilà, je mets les balls. Et l'annonce. Au moins. Je le note dans le filet. Au moins 1,8 milliard. 1,8 milliard. Au moins. Au moins 1,8 milliard. Je pense qu'il bat Titanic. Si quelqu'un sur le chat a un plus gros chiffre. 1,8 milliard. N'hésitez pas à le dire, ça aura autant de valeur. Je pense qu'il va battre le Titanic à 2,1 milliard, je crois, ou 2,3 milliards. Et donc, je l'ai noté dans le filet. Et donc, quand tu dis 1,8 milliard et qu'il va battre un film à 2,1 milliards, je me permets de te faire remarquer qu'il y a 300 moins, 000... Non, j'ai dit qu'il va faire au moins 1,8 milliard. Il y a 300 millions de dollars de pense, différence dans ton je calcul. Je pense qu'il va battre Titanic et peut-être va-t-il dépasser Avatar. Mais jamais. On verra. Jamais. Eh bien, j'ai envie de dire, quelque part, moi, je m'en branle. Donc, on va... Donc on peut enchaîner. Quelle est ta news, mon cher Carder? Eh bien, c'est une news qui, je pense, va faire plaisir à pas mal de gens dans le chat. Je vais vous parler d'un réalisateur qui avait fait un film que vous nous aviez, que vous nous aviez conseillé dans le chat. Kerr l'avait beaucoup aimé. Je ne sais pas si Bigby l'a vu. Je parle d'Alabama Monroe. Ah, j'en étais sûr que oui, c'était un oui, truc de, oui, de oui. hipster. T'as raison, ouais. Un truc d'indé. Ah, je m'étais bien un truc hipster. Ah ouais. T'avais pas devant aimé Alabama Monroe. Monroe. C'est avec les Win Devin. Non, c'est Inside Llewyn Davis dont tu parles. Non, Alabama Monroe, c'est encore autre chose. C'est un film flamand de Félix von Groningen qui avait fait aussi La merditude des choses. Non, pas vu. Mais en tout cas, Alabama Monroe avait remporté le César du meilleur film étranger en 2014. Eh bien, Félix von Groningen nous ressort une bande-annonce pour son prochain film qui sortira le 2 mars 2016. Il s'agit de Belgica. Et honnêtement, le trailer m'a beaucoup fait penser à Alabama Monroe. Ça, dis-moi. J'ai une petite question, la merditude des choses. Est-ce que c'est un reportage sur la ligne éditoriale de BFM? Non, voilà. C'est sur partie politique du spectacle. Je sais plus qui nous avait conseillé d'ailleurs Alabama Monroe. Bref, là vous voyez donc la bande-annonce de Belgica. Belgica, c'est quoi? C'est en fait un film avec deux frères qui sont totalement opposés. L'un est borgne et maigre et vient d'ouvrir un bar qui s'appelle le Belgica à Gand en Belgique. Et l'autre est père de famille et propriétaire d'une concession à automobile. Mais il va décider d'aller aider son frère pour tenir ce bar et le bar va devenir l'endroit incontournable où tout le monde va aller. Oui, Bigby. Est-ce que ces deux frères ont un rêve que la région française de la Belgique devienne un vrai pays? Peut-être. Faudra leur demander. Et pour savoir, faudra aller voir le film donc le 2 mars 2016. Ce qu'il faut savoir, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas vu Alabama Monroe, c'est que la musique tient une place extrêmement importante dans le film. C'est le cas aussi pour Belgica. Je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir gros scénario, trois petits points. En même temps, je te résume le scénario Star Wars. C'est pas mieux que ça. Donc, je vous conseille d'aller voir le trailer avec la musique. Il faut savoir que c'est Soul Wax qui a composé la musique, c'est un groupe électro-rock originaire de Gand, justement l'endroit où se situe le bar du Belgica. C'est le 5e long métrage de Félix von Groningen et s'il est au niveau des autres, franchement ça va être juste exceptionnel. Moi j'irai le voir en tout cas très très vite, surtout si ça ressemble à Alabama Monroe, je pense que t'es d'accord avec moi Kerr.
C'était vraiment l'histoire de l'Alabama Monroe qui faisait que le film était fou. Hein. C'est... Non, pas... Ah non. Il y a le non, casting c'est... aussi. Non, la réalisation était propre, soit. Mais moi, ouais. J'ai vraiment été porté par l'histoire. Bah, peut-être que tu as été porté par l'histoire, mais ce qui était intéressant, et justement ce qui fait partie de l'histoire, c'était de voir cette déchéance à la fois hyper tendre, mais très très violente. Et ça a l'air d'être la même chose dans Belgica, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Wow. Voilà pour ma news. Il y a Tech qui arrive. Ok, et bah du coup, Kerr, quelle est la douceur que tu nous as sortie cette semaine en news numéro 2? Eh ben, je ne sais pas. Ah oui, si, j'ai le trailer du moi aussi. Il y a une bande-annonce. Moi aussi, je vais faire dans l'indé, puisque ça va être le trailer d'un film bosniaque réalisé par Disney qui s'appelle Zootopia, Zootopie en français, puisqu'apparemment, on n'aime pas les titres américains qui sont stylés. On préfère leur donner des vieux noms. Et il est passé où, mon filet? Il a disparu? C'est sur la droite. Ben non, regarde. Non, regarde. Laisse-moi faire en fait, tout ce qui est informatique. Excel. Ok. le voilà. L'histoire, c'est quoi? C'est on suit un monde où les animaux sont en fait des humains. Et ça permet de faire de très grosses blagues sur le comportement des animaux. Donc là, par exemple, on voit les paresseux qui vont très lentement et qui sont bien évidemment des fonctionnaires. Le héros, c'est un petit renard qui travaille avec un petit lapin. Je connais pas l'histoire, j'ai envie de dire, peu importe. Et le film a l'air très drôle, c'est le deuxième trailer de Zootopia que l'on peut voir et c'est vraiment, vraiment rigolo. Alors, ça manque un petit peu d'originalité, mais il y a tellement de possibilités et de vannes à sortir avec ce sujet que je pense que Zootopia sera un bon moment. Il a été pondu par deux mecs, le réalisateur de Réponse et le réalisateur des Ralph, des Mondes de Ralph. Donc Réponse, moi j'ai beaucoup aimé Monde de Ralph, je me suis vraiment ennuyé. Oh, donc c'était pas mal. On verra si celui-là est bon. En tout cas, c'est BoJack Horseman en Disneyland, quoi. De quoi celui-là? Ouais. C'est ouais. Le même concept. Ouais, mais ouais. Nio est venu me voir je tout à l'heure. Je l'ai fait bugger, je suis désolé. On va relancer le Windows. En tout cas, ce qui a l'air de faire rire dans le trailer, c'est le paresseux surtout. Nio est venu me voir en me disant « Tu te rends compte, il y a un paresseux qui rit à une blague, c'est génial !» C'est le cas ou pas dans la bande-annonce? Alors, je vais être ou tu ne l'as pas vu. Ou tu ne l'as pas vu. Je ne l'ai pas vu celle-là. D'accord. Par contre, la première m'avait fait beaucoup rire. Ok. Ok, en tout cas, c'était une news vraiment slow-mo. Slow-mo. Ok, je vais enchaîner. Alors, je voulais juste faire un point sur nos amis les séries Netflix. Vu que Jessica Jones. Alors là, j'ai l'impression qu'avec la main de Kerr, je suis en train de me faire pécho. Donc en fait, je voulais juste faire un petit point sur la série Netflix. Parce que Jessica Jones est sortie. Alors, on en parlera de notre avis juste après. J'ai personnellement, je me suis dit, je regarde tout avant de dire ce que j'ai à dire. Donc du coup, eh bien, pourquoi t'as fait ça? On fait un rappel. Sur Marco Polo, la presse avait donné son avis avant de voir la série. Mais sur le trailer, c'était sur le trailer. Toujours. En fait, le truc, toujours c'est sur que, le trailer. Mais moi, je ne suis pas journaliste. Je regarde tout le truc. Voilà, bim. En plus, il y en a des. Contrairement des à beaucoup. Ouais, vous rond de cuir. Alors qu'il y a beaucoup de journalistes qui regardent tout. Enfin bref. Donc du coup, eh bien, c'est juste pour faire un petit florilège, pour faire juste un récap de où est-ce qu'on en est. Je me suis dit que ce serait intéressant. Donc déjà, et puis parce qu'il y a eu des news cette semaine. Déjà, la prochaine série Daredevil, la saison 2, ouais. Eh bien, c'est avril 2016, dans laquelle on va voir apparaître des nouveaux personnages comme le Punisher. Ouais. Le Punisher, qui est donc un personnage de Marvel, aucun rapport avec YouPorn et Pornhub. Le troisième, qui donc est Luke Cage, n'a pas encore, donc c'est le personnage qui est déjà introduit dans Jessica Jones, dans tous les sens. Il est introduit par le Punisher, voilà. Non, ce n'est toujours pas. Donc, on en est là, c'est la news un peu Marc Dorcel de la soirée. Donc, il y a Luke Cage, qui donc, est le personnage qui apparaît dans la série Jessica Jones, qui va avoir sa propre série et donc ils espèrent fin 2016, mais visiblement il pourrait y avoir un report de la série pour des raisons de production. Ensuite, on enchaîne avec Iron Fist. On vous avait dit qu'Iron Fist, il y avait d'énormes rumeurs comme quoi Iron Fist irait en fait au cinéma, ce qui laisserait la place. Ça continue. Ça continue. On est dans le délire. Et donc Iron Fist ne serait en film. Et tout simplement parce que, au final, peut-être que le Punisher serait suffisamment intéressant et important pour faire une quatrième série okay. Netflix.
Eh bien, que nenni, le producteur de, je crois que c'est Luke Cage, a annoncé que non, Iron Fist serait bien une série, mais to be announced. Donc déjà, il galère à terminer sur Netflix ou on ne voilà, sait pas. Sur Netflix. De toutes les manières, en fait, tous les personnages qu'on vient d'annoncer font partie d'un groupe un peu comme Iron Man, Thor et tous ces gens-là font partie des Avengers. Et en fait, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil et quelques autres personnages que nous verrons peut-être, eh bien, font partie des Defenders. Qui sont un peu, c'est l'Avengers du pauvre. C'est des Avengers, mais qui sont, eux, ils défendent un quartier, une ville, voilà. Tandis que les Avengers, ils vont dans l'espace pour buter des titans fous et tout. Voilà, donc c'est... et après, il y a énormément de personnages secondaires qui sont en train d'être annoncés. Et qui sont en train d'être présentés. Donc on pense notamment à Hellcat et d'autres personnages qui donc sont déjà apparus dans les séries actuelles. Mais en fait, on a vu les personnages qui vont devenir ces super-héros-là. Ah bon ? C'est qui Hellcat ? Et donc, on... c'est le moment du spoil. C'est Trish. Ah bon ? Ok. Et bref, donc tout ça pour dire que... Ouais, ok. Et ben, peut-être qu'il y aura donc d'autres séries qui viendront sur ces personnages. Voilà. Okay. Et alors, il y a des gens sur le chat qui demandent si Luke Cage est le Punisher. Et en fait, non, Luke Cage, ben, c'est Luke Cage en fait. Et il y en a qui disent, mais Luke Cage, c'est le Black. Oui, le Black, elle l'appelle Luke. Et parfois, elle l'appelle Luke Cage. Du coup, on en déduit que c'est Luke Cage. On est d'accord. Tout le monde n'a pas vu la série. Donc, mais si. Tu te moques de personnes qui ne peuvent peut-être ne pas savoir. Je vous rappelle qu'il y a... Ah oui, c'est vrai. Oui. L'Ostropole qui disait les interventions de Kerr sont-elles justifiées ? Eh bien, le oui l'emporte à 45% pour l'instant. Le elle est où la chute arrive en deuxième position avec 33% des votes. Et le non est dernier avec seulement 22% des votes. Vous êtes déjà 214 votants. Merci à vous. Continuez à voter. Le lien du Ostropole est sur le chat. Pour l'instant, il y a 95 bots. Donc n'hésitez pas, vous, personne humaine, à interagir. Oui. Parce que là, clairement, quand je vois le oui, c'est clair que c'est de la triche. C'est super c'est important. Voilà. Mais il y a les gens qui disent que j'ai spoil en disant que la personne qu'on appelle Luke Cage dans la série, c'était Luke Cage. Ouais. Je suis étonné. Du coup, eh bien, mon cher Cardel, tu voulais enchaîner. Et oui, moi, je vais vous parler de DreamWorks et de Edgar Wright. Edgar Wright, c'est qui ? C'est le mec qui a réalisé Shaun of the Dead, qui a réalisé Hot Fuzz, qui a encore réalisé Scott Pilgrim, ou dernièrement, son dernier film, c'était Le Dernier Pub avant la fin du monde. Eh bien, il a été approché par DreamWorks pour réaliser le prochain film d'animation qui s'appellerait Me and My Shadow. Ce sera l'histoire d'une ombre qui est très frustrée d'appartenir à un mec très ennuyeux. Et donc, ce serait Edgar Wright qui réaliserait ce court-métrage d'animation. C'est un projet qui date quand même de 2010. À la base, ça devait être un mix entre animation fait à la main et animation générée par ordinateur. On ne sait pas si ce sera toujours comme ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Edgar Wright va même co-écrire le scénario avec David Williams. Edgar Wright est en ce moment en pré-production, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, de son prochain film qui s'appellera Baby Driver. Et on lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage à lui et sa famille. Parce qu'en fait, donc, il était au même stade, il avait déjà écrit tout le scénario pour Ant-Man avant de devoir quitter le projet. Ouais. Et c'est déjà arrivé à d'autres réalisateurs comme Benicio del Toro d'avoir plusieurs animations d'après, et ils sont obligés de faire des bouses comme un Pacific Rim ou des trucs comme ça. Enfin, donc, bref, tu parlais de Guillermo, donc, en fait. On espère vraiment que ça n'arrivera pas avec un Wright. C'est un réalisateur qui mérite plus que de faire des Pacific Rim en voiture. Voilà. Complètement. Complètement. Voilà pour ma news en tout cas. Kerr, c'est à toi. Oui, moi je vais vous parler de l'affiche de Game of Thrones, mais j'ai vu sur le chat qu'il y avait un trailer. Alors je ne pense pas que ce soit le cas. Parce qu'on est quand même qu'en novembre, ça serait étonnant qu'il y ait déjà un trailer. Mais enfin, s'il y a un trailer, on n'est pas à jour. Il y a déjà un trailer pour le truc dont tu as parlé. Moi aussi, Narek 84. Non. Si ? Ma montre. excusez-moi. Donc, du coup, eh bien... Qu'insinues-tu ? Il suffit que tu ailles sur YouTube, tech, arrêtez. Est-ce que tu insinues qu'on va se faire baiser par cette saison 6 de Game of Thrones ? Ben, regarde, tu tapes Game of Thrones saison 6 non, et tu fais vidéo aujourd'hui sur YouTube. On regarde pas la même chose. Moi, j'ai regardé ça.
Ah oui, oui, mais non, mais moi, mais je l'ai mis, ça, bien sûr. Donc, en tout cas, il y a une affiche de Game of Thrones Season 6 qui a été dévoilée hier par HBO. La voici. Ah, mais j'ai oublié. Tu ne l'as pas mise. Eh bien, j'ai oublié. Écoute, on va la... mais tu la trouves très facilement sur Internet Tech. Mais t'as vu la réponse qu'a fait The Walking Dead sur Twitter ? Non. Ils ont tweeté à Game of Thrones et dire que vous disiez qu'on torturait nos fans. Et je trouve la réponse très bien de oui, de bah, je pense que Walking Dead peut se taire. Oh, ça va. Non, je t'es médisant ce soir. Tu es médisant. Mais en tout cas, je comprends pas cette affiche. Tu l'as compris, toi, l'affiche de Game of Thrones ? En fait, la personne qu'on ne citera pas. Bah, qu'on va montrer de toute façon. Ouais, mais on va pas le citer, donc nous, on n'aura rien dit. Et on nous dit l'affiche spoil, mais on n'en sait rien, vu que tu. Enfin, tu sais pas si ça spoil. On n'a pas vu la saison 6. Si c'est elle. Mais c'est Jon Snow. Voilà, c'est Jon Snow avec du sang sur la gueule. Voilà. Ah non, c'est pas elle alors. Mais. Tu vas sur Tumblr, tu tapes Game of Thrones, tu mets plus récent, recherche photo et tu le trouves tout de suite. Non mais je comprends pas l'idée derrière cette affiche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ah et regardez, c'est, pour montrer c'est un teaser de malade quoi. C'est pour montrer qu'il sera présent, d'une manière ou d'une autre. Mais s'il faut pas du tout. Hein ? Mais peut-être que non. Mais peut-être qu'il y sera mort. Et ben du coup tu vois, ça fait poser les questions aux spectateurs et c'est un teaser de ouf, c'est de la malhonnêteté moi je te dis. Mais peut-être. Bon, tu la trouves cette affiche ou pas ? On sait plus quoi dire. Et pourtant, tu la trouves absolument partout dernièrement. Non, okay, tu veux pas. Donc du coup, on enchaîne. Tu as 1h30. Top chrono maintenant pour la trouver, mon cher Tech. Je t'en prie, trouve-la. Sinon, ça va être l'horreur. Donc du coup, on va enchaîner et je vais pouvoir vous dire comme ça, je vais encore plus mettre en panique notre cher Tech. Il y a les premières images de Wonder Woman oui. qui viennent de sortir. Et alors là, quel a été votre premier mot ? Waouh ! Gal Gadot. Moi, j'ai, Pouquin, moi, c'était abusé. non, mais sans regardez les photos de... Alors, celle-là, ok. Donc déjà, tu peux descendre. En fait, je n'ai vu que celle-là. Moi. Voilà, donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc tu peux descendre. Et en fait, le truc, c'est que... donc, oui, pas, voilà, moi, c'est Gal Gadot qui faisait en parlant. Mais c'est pas Gal Gadot, ça. C'est pas Gal Gadot ? Mais non, c'est pas Gal Gadot. Il n'y a qu'une photo officielle, c'est la première. C'est quoi, ça ? Alors, c'est quoi ? C'est pas Gal Gadot. Ben, c'est qui ? C'est, ouais, vas-y, rien, tu fais le malin, c'est qui ? C'est pas Gal Gadot, ça. Remets la première, hein, Tech. Je sais reconnaître Gal Gadot, c'est pas Gal Gadot. Alors là, je me suis fait... ça, c'est Gal Gadot. Il n'y a que cette photo qui a été diffusée. Ça, c'est autre chose. Mais ça c'est quoi, alors ? Lis-nous l'article. Non, l'article dit que c'est les mêmes photos. Non, c'est pas vrai. Alors là, j'en suis persuadé, c'est pas Gal Gadot. Il n'y a qu'une seule photo alors, qui est officielle Gal Gadot a diffusée. Ce reste un autre dossier Hateful Eight ? Bon, en tout cas, la première, je me suis pas planté. Déjà, c'est bon, je l'ai. Regarde, c'est marqué hasard du calendrier. Cette photo sort quelques heures après les images de la Wonder Woman du projet avorté de George Miller. C'est les photos sous les traits de Megan Gale. Ah, c'est écrit Megan Gale. Megan Gal Gadot. C'est vrai qu'elle s'appelait Megan Gal Gadot. Megan Gal Gadot. Enfin bref, et donc du coup, eh bien, c'est super et même génial, j'ai envie de dire. Mais ça reste du teasing. Ça reste du teasing. Et surtout, je sens que ça va être pas terrible. Ouais. Parce que ce qu'on avait déjà vu il y a pas longtemps, c'était des images de Gal Gadot en costume de combat dans Superman contre Batman. Non, c'est Batman contre Superman. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est chiant ce soir. il est pire que sa mère. On vous demande, donc, Gal Gadot, c'est le plus licheur alors ou pas? Et donc, mais vraiment, ça a l'air d'être un peu bidon, quoi. Enfin, j'espère qu'on va avoir quelque chose de mieux, mais pour l'instant, je suis pas très hypé par Wonder Woman et j'ai peur qu'elle ne ramène quasiment personne en salle. Qui va aller en première soirée Je suis désolé, ça, c'est pas Gal Gadot. Hein. Enfin, je veux pas. Et là, vous voyez l'affiche. Donc là, voilà, l'affiche. Et sur ce truc-là, il est peut-être mort. Hein. Ouais. Peut-être qu'ils l'ont crucifié, peut-être que. Ouais, bon, là, c'est. Il a même... pas l'air en grande forme. Hein. C'est quand même un peu abusé quand même. Et dans 3 minutes, on vous montrera la bande-annonce de Belgica pendant qu'on fera une autre news. Du coup, c'est l'émission à retard d'avant. C'est les assets, ça arrive après dans une news d'après. En plus, pour non, mais c'est la faute de Kerr. J'avais envoyé les liens, mon cher Taïk, c'est honteux. Tu n'auras plus jamais le lien. Donc on peut enchaîner. Et oui, et du coup, c'est à moi. J'enchaîne avec une petite news série et je vais vous parler de John Carpenter, ce génie du cinéma d'horreur qui a fait notamment Halloween ou The Thing. Et vampire.
Et vampire et plein, et Ghost plein, on Mars. Et plein Ghost d'autres of, trucs. Ghost of Mars. Mais plein, plein, c'est un génie de l'horreur ce monsieur. Eh bien, il est en train de développer 4 séries pour la télévision avec sa femme. C'est d'ailleurs elle qui a révélé ça dans un podcast qui s'appelle Killer POV. Alors je vais vous lire ce qu'elle a dit. Elle a donc dit, en ce moment, il y a 4 séries qui attendent d'être commandées par une chaîne. En ce qui me concerne, je pense que nous les ferons toutes. Elles sont géniales, différentes de tout ce qui peut se produire actuellement. Elles repoussent à nouveau les frontières de ce qu'est l'horreur. John réaliserait les pilotes des séries et nous serions producteurs exécutifs. Il y a de la science-fiction, de l'horreur. Il y a une série que je qualifierais de science-fiction horrifique et futuriste. Je pense qu'elles donneront aux gens ce qu'ils attendent en plus d'être imprévisibles. Eh bien, pourquoi pas ? Moi, j'ai hâte de voir ce que peut donner John Carpenter à la télévision. Eh bien, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours si elles ont été achetées par une chaîne ou pas. Voilà pour ma news. Ouais, je regardais ton visage sur le retour. Je me disais, ça t'a plu ? Magnifique. Je me suis rasé pour l'occasion. Et donc, du coup, tu voulais dire quoi sur John Carpenter ? Eh bien, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tout de suite, le trailer de Belgica. À toi, mon cher Kier. Oui, moi, je vais vous parler d'une série de qualité. Parce que là, il y en a un peu marre de parler de trucs américains produits à la va-vite. Donc moi, je vais vous parler du spin-off de Arrow qui s'appelle Legends of Tomorrow. Qui sort le 21 janvier 2016 sur Arte, enfin l'équivalent d'Arte aux États-Unis, The CW. Donc une série qui va nous proposer un sous-Avengers, sous-Justice League. C'est pas le bon trailer, hein. Ça c'est le trailer du crossover. Aucun rapport avec Legend of Tomorrow, c'est paumé. Tech, mais t'es non, dans c'est le trailer. Tech, tu dis n'importe c'est quoi. C'est le trailer de Legend of Tomorrow. C'est un mix des images. Là, c'est du Legend of Tomorrow et les images d'avant, c'est le crossover. Mais oui, mais le nouveau trailer, ça commence par le crossover, vu que ça introduit Legend of Tomorrow. Si tu veux t'introduire, introduis-toi. Vas-y. Mais donc, l'histoire, c'est quoi ? Il y a donc un acteur de Broadchurch qui s'appelle Arthur Carver, qui joue Rip Hunter, rien à voir avec Rick Hunter, surtout ne confondez pas s'il vous plaît, quelle série Rick Hunter quand même. Et donc Rip Hunter va associer Atom, White Canary, donc qui est l'ancienne Black Canary, qui est Katie Lott, la ravissante. Qui a fait une Michael Jackson donc. Firestorm, Hawkeye, Hawkman. Non, Hawkgirl, pardon, Hawkman, Heatwave et Captain Cold ensemble, donc dans la même équipe pour aller dans une espèce de dimension parallèle où le futur, c'est ça ? Dans le futur où il y a un grand méchant qui s'appelle Vandal Savage a tué Superman et Batman. Qu'est-ce qu'il connaît Rick Hunter ? Ils sont dans le chat. En fait, ça devient une espèce de police du temps. À plusieurs moments dans le temps, il y a des trucs qui ont été faits qui vont changer la timeline temporelle. Ouais. Et ils doivent interagir à ces différents moments du temps. Voilà. D'accord. Ok. Et je réagis à ce que dit Jamie Gourmand, parler d'une série de qualité, putain, Fargo, quoi. Eh bien, je vous en parlerai très certainement la semaine prochaine. J'en ai pas encore assez vu pour vous en parler cette semaine. Et moi, je reviens sur les bonnes séries parce que Fargo, voilà, quoi. Non, je rigole. Donc, Legend of Tomorrow, ça arrive le 21 janvier 2016. Et le méchant qu'ils vont affronter là, il a tué Superman et Batman. Et vous êtes en train de me dire que Captain Cold va réussir à lui mettre la misère ? Ben, avec l'aide de plein d'autres personnes, dont Booster Gold. Et on nous dit sur le chat que cette série-là, c'est Doctor Who en plus cheap avec des super-héros. Alors, je suis d'accord que ça ressemble beaucoup à Doctor Who. Je suis d'accord qu'il y a énormément de ressemblances avec Sliders, les mondes parallèles. C'était chouette. Putain, Sliders. Qu'est-ce que je kiffais cette série. Ouais, moi aussi. Et le truc, c'est que... plus kitsch que Doctor Who, là, je pense que c'est pas possible. Là, je pense que je suis d'accord avec toi sur plein de trucs, mais... Là, le plus kitsch, c'est dur. T'as dépassé une limite. Voilà, là, on ne peut pas te suivre. Est-ce que vous avez d'autres news, messieurs ? Non. Du coup, je crois que j'avais des news de merde. Alors, la première, c'était que après les Transformers, les producteurs qui ont eu un pool entier de scénaristes pour pouvoir écrire cette franchise donc d'auteurs, eh bien, c'est G.I. Joe, la franchise G.I. Joe, qui a su se faire réunir un pool d'auteurs. Je crois qu'il y a 7 auteurs qui vont être embauchés, certains qui sont déjà embauchés,
pour écrire les très nombreux G.I. Joe qui vont apparaître. Youpi. Et donc là, on se dit, c'est vraiment trop génial. Voilà. Voilà. Et puis après, je voulais montrer le trailer du Cross Flash versus Arrow, mais comme Kerr a fait comme d'habitude, il s'est débattu les couilles. Mais ça spoil, mais faut pas. Moi, j'en suis pas là. J'en suis à la fin de la saison 2 de Arrow. J'ai envie de dire, je suis dégoûté. Il faut qu'on enchaîne sur qu'est-ce qu'il y a de bien à regarder en ce moment. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la courte page de pub, vu qu'il est pile le moment de la pub. Exactement. Et enfin, on va passer dans le cœur, dans le moment intéressant de l'émission. Il faut foncer. Le qu'est-ce que t'as vu ma gueule, c'est tout de suite dans 5 minutes. Et nous revoilà dans Cult Technique, une émission de qualité. Arrête, je suis toujours aussi rouge, c'est impressionnant. On revient avec le qu'est-ce que t'as vu ma gueule. Donc, je crois que c'est contagieux. Ouais, les petits trucs, je pense que c'est la caméra. Vous êtes pas rouge en vrai en plus, c'est ça qui est bizarre. C'est la caméra qui à mon avis déconne sur le rouge. Alors il y a Paul J.S. qui visiblement adore The Leftovers. Il faudra que je continue la saison 1 parce que j'avais pas aimé ce que j'avais vu de la saison 1. Donc bon, on verra. Le qu'est-ce que t'as vu ma gueule, c'est ce qu'on a vu dans la semaine. On partage, vous donne notre avis sur les films et les séries de la semaine. C'est pas forcément du truc très très frais. Hein. Ça dépend de ce que l'on a vu. Et tu vas commencer, Big B. Qu'est-ce que t'as vu? Je n'ai pas vu. Arrêtez de dire ça m'énerve. Mais ça m'insupporte. J'ai regardé Hunger Games. J'ai pu regarder Hunger Games, le dernier volet de la saga. Suite et fin de la saga. Il était temps. Alors, il était temps. Hashtag, il était temps. Si je synthétise mon avis, bof. D'une manière générale, ce film est exactement le quatrième reboot du même film. À chaque fois, il y a les mêmes moments. C'est-à-dire que là, le Hunger Games, sans vouloir spoil, c'est fini. Et ils arrivent quand même à trouver un moyen de faire un Hunger Games, alors que c'est, scénaristiquement, ce n'est pas possible. Mais c'était dans le bouquin, ça, déjà. Donc, oui, mais moi, je m'en fous. Je parle de l'œuvre du film qui est composée d'un scénario. Donc, ça, déjà, c'est... quand tu sens que tu essayes trop de faire la même chose, et du coup, il y a les mêmes moments. Il y a les mêmes moments où tu as le personnage, tu sais, où on se dit « Oh, on y croit, oh, on n'y croit plus, oh, machin meurt pas. » Tu as l'impression de t'être tapé 4 fois le même film, et c'est chiant. C'est chiant parce que le troisième, déjà, avait fait des efforts, il y a eu des moments épiques, le pont, le chant sur le pont, etc. Ouais. C'était un moment qui a été très réussi, je trouve, et vraiment, ça faisait que le film avait du souffle. Là, ce film n'en a aucun. Il y a un moment, ça part un peu en film de zombies, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, mais effectivement, rien qu'à voir le trailer... Ça n'a juste pas de sens. Du coup, à force d'avoir l'impression de voir tout le temps le même film, de voir tout le temps les mêmes scènes, de voir tout le temps, mais vraiment exactement les mêmes ressorts scénaristiques, la fin, je m'en foutais. Enfin, vraiment, je m'en foutais. Le twist de fin, je m'en foutais. Enfin, le film m'a pas botté. Et surtout, c'est un film qui était un peu trop midinette sur les premiers et qui, sur le 3, montrait qu'il pouvait y avoir un vrai souffle épique à des scènes. Là, il n'y a rien du tout. On repart en mode escouade, on repart en mode machin, est amoureux de truc et tout. Enfin, c'est vraiment dommage. Voilà. Il n'y a rien qui porte le film. Il n'y a pas un trucage de ouf. Il n'y a pas un jeu d'acteur de ouf. Il n'y a pas un moment scénaristique de ouf. Donc le film, dans son ensemble, n'est pas un mauvais film. C'est beauf. Voilà. Je suis déçu de ne pas l'avoir regardé à un moment où j'avais rien à foutre en faisant le ménage un dimanche, quoi. Parce que le film mérite pas plus. Le film mérite pas plus. Ok. Voilà, enfin, de mon point de vue. Mais effectivement, rien qu'en regardant le trailer, j'avais l'impression de revoir ce que j'ai déjà vu dans les précédents Hunger Games. Quoi. C'est les mêmes plans, comme tu dis. C'est la même chose. Ok, donc pas top. Et toi, Kerr, qu'as-tu vu? Je suis pas d'accord avec Big B. Ah, tu l'as vu? Alors, moi, je l'ai vu aussi, bien sûr. C'est avec Jennifer Lawrence. Alors, mon avis sur Hunger Games, le 4... Là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que c'est pas la même chose que les deux premiers, vu qu'ils ont abandonné le concept qui était le Hunger Games. Bah, ils sont sortis du concept. Je vais pas spoil, mais oui, ils l'utilisent pendant 10 minutes et puis après ils oublient qu'ils ont lancé pendant ce truc-là. Et... 10 minutes. Mais on le voit dans la bande-annonce, donc on peut le dire. Il y a des pièges. Ils transforment une guerre. Ils
il transforme une révolte en un Hunger Games. En fait, il transforme ville en Hunger Games. Faussement, c'est ça qui dirait, ça fait une heure de film. Attention à ton micro, ça fait peut-être pas quand même. Mais alors, le truc qui, moi, m'embête, c'est un petit peu comme le labyrinthe d'ailleurs, c'est que j'ai, entre guillemets, bien aimé le concept, j'ai trouvé sympathique l'idée du Hunger Games. C'était un battle royale du pauvre et une sorte de Koh-Lanta survitaminé. Et le labyrinthe, c'était pareil. Le labyrinthe, je trouvais ça sympa. Dans le 2, plus de labyrinthe, il n'y a plus rien. Dans Hunger Games, le 1, c'est le délire Hunger Games. Le 2, on refait le Hunger Games. Pas jusqu'au bout, c'est un peu gênant. Le 3, ils oublient complètement. Et là, ils partent dans une révolte extrêmement mauvaise. Le 3, j'ai pas aimé. À part quelques scènes, comme tu l'as dit, le chant, etc., qui étaient réussies, j'ai vraiment pas aimé. Et là, sur le 4, ils ont réussi quelques petites idées, notamment la gestion de Snow. On dira pas que ça, j'ai trouvé ça plutôt malin, mais bon, John ça, c'est Snow dans, non, ça c'est dans le bouquin. Il y a des trucs qui vont pas du tout, c'est-à-dire qu'ils ont construit un casting quand même assez solide et ils en font absolument rien. Woody Harrelson, ça sert à rien. Elizabeth Banks, elle est complètement inutile dans ce film. Ils nous introduisent Brienne de Tor pendant une scène et ils ont vachement communiqué dessus en disant hey, on a Brienne de Tor dans Hunger Games, ça va être trop stylé, vous allez voir. On la voit 15 secondes et puis après, merde à la fin. Ah oui, c'est bon, on avait Brienne de Tor. Aucun personnage, à part le trio amoureux là, il n'y a aucun personnage qui est vraiment développé. Mais même, j'ai envie de dire... Le plus développé, c'est Castor et Pollux, parce que comme le mec est muet, merci. Et du coup, en fait, ils sont obligés de passer longtemps sur son visage quand il fait des signes. Putain, mais c'est ça le développement des personnages, quoi. Tu sais pourquoi Castor et Pollux? Oui, parce que c'est les deux étoiles... C'est les Dioscures dans la mythologie grecque. Et en fait, le cinéma les reprend souvent. C'est on pas a un Castor. Hommage au manège enchanté. C'est aussi les deux étoiles les plus proches. Oui, mais dans la mythologie grecque, c'est les Dioscures. Et en fait, on les retrouve dans plein de films, et notamment dans Volteface, puisqu'on a Castor Troy et Pollux Troy. Ouais. Voilà, c'était juste une anecdote. Okay. Et donc, pour revenir sur Hunger Games, il y a un truc qui m'a vraiment. On s'amuse pas beaucoup, je dois le reconnaître. Mais il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup déçu, c'est la fin. Alors, je ne veux pas vous dévoiler la fin, mais je l'ai trouvé d'une niaiserie vraiment totale. Quoi. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de rire dans, il y a eu beaucoup de rire dans la salle où j'étais sur la fin. Enfin, ah, c'est dur ça. Ouais, concrètement, le film, j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes n'avaient accroché. Était resté accroché et en avait quelque chose à foutre, en fait. Et c'est quand même un peu dommage de passer 4 films pour complètement plus en avoir rien à foutre de nos personnages principaux. Bah, c'est le problème de vouloir faire une saga quand on a juste la matière pour faire un film. Elle fait Hunger Games, le premier, elle le gagne, cool, tranquille. Ah non, tu peux... Enfin, bon, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas pu développer une suite. Peut-être pas 4, mais... Oui, non, mais ils n'ont pas... Voilà, mais alors déjà, le problème, c'est que Hunger Games, c'est 3 livres. Là, on s'est encore farci une dernière partie en deux parties. Tous les derniers avoir fait ça, c'était pas intéressant. Harry Potter, l'avant-dernier, c'est d'un ennui mortel. Bon, c'est quand même mieux que ça. Non, mais j'ai pas dit que Hunger Games c'était mieux que Harry Potter. J'ai juste dit que le Harry Potter, le dernier, le 7. Harry Potter, il a une baguette. Bien. Tu vois, tu prends un homme de Cro-Magnon versus un astronaute. Harry Potter, il les défonce, il a une baguette magique, mec. Ouais. Donc, bref, très mitigé sur ce Hunger Games. Je trouve qu'il conclut fidèlement une saga qui était, c'est ce que j'avais tweeté, qui était vraiment pas top. Ok. Très bien, merci Tech. c'était le moment du réalisateur. Il en faut un dans, ouais, il a le droit, dans chaque émission. Délire, et on salue Pseudoless sur le chat. Et on. Pseudo est là sur le chat. Pseudoless, salut. Salut à toi. Pseudoless. Modéré avec compassion. Le fric, les gars, cherchez pas. Bah oui. Mais on sait déjà. On enchaîne du coup, peut-être. Alors, qu'est-ce que t'as pu voir, mec? Eh bien, écoute, moi aussi, je suis allé au cinéma. Mais comme le disait Kerr tout à l'heure, je suis allé au cinéma pour voir un vieux film. Je suis allé voir Seul sur Mars. Eh bien, je trouve que on ne remet pas assez dans leur contexte les films que l'on va voir, c'est-à-dire on ne parle pas assez du moment dans lequel on est allé le voir. J'avais entendu beaucoup de critiques sur Seul sur Mars, notamment qu'il était un peu trop lisse, qu'il n'y avait pas assez de drama, voilà. Eh bien écoutez, moi ça m'a fait du bien d'aller voir ce genre de film au cinéma cette semaine.
J'ai trouvé ça ultra positif. J'ai vu plein d'acteurs que j'adore, entre autres, bon, pas Matt Damon, mais en tout cas Jessica Chastain, Jeff Daniels. Il y a Sean Bean dedans, il y a Kate Mara, il y a Chiwetel Ejiofor, il y a Donald Glover qu'on voyait dans Community, et Kirsten Wiig, Michael Peña, enfin plein d'acteurs que j'adore, qui jouent pour la plupart vraiment bien dans ce film. Oui, certes, c'est très joyeux, mine de rien, comme film Seul sur Mars. Mais moi, ça m'a fait du bien, justement, d'avoir quelqu'un qui trouvait des solutions quasiment à tout, d'un optimisme sans faille. Et c'est pour ça que les films de super-héros explosent en temps de crise. C'est possible. Et maintenant que ça va un peu mieux, que les films de super-héros vont risquer de tomber un peu dans l'oubli. Ça m'étonne pas. Après, pour parler du film en lui-même, oui, il y aurait pu y avoir un peu plus de profondeur dans Seul sur Mars. Notamment, on parle vite fait de la famille de Matt Damon qui est coincée là-haut sur Mars. Il aurait pu peut-être y en avoir un peu plus. Pas du larmoyant, mais un peu plus de tragédie. Il n'y a aucun plan sur sa famille, je crois. Sur quoi ? Sur sa famille. Non, il y a aucun plan. Juste, ils en parlent à un moment. Ça m'a manqué. Sa famille, on s'en contrefou. Ouais. Lui aussi, d'ailleurs, je crois qu'il l'a complètement oublié. Ouais, mais c'est ça. Voilà, il y a plein de trucs qui manquent à Seul sur Mars. Et c'est assez révélateur. Moi, je pensais que tu étais en train de dire que lui aussi, tout le monde s'en contrefou. Je pense que tu parlais du personnage principal. Non. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on s'en contrefou, en fait. Non, complètement. C'est limite plus intéressant ce qui se passe dans la NASA, parce qu'on voit comment eux gèrent en tant que... Parce que, est-ce que aussi, c'est pas parce qu'on n'y croit pas ? Je trouve que Ridley Scott n'a pas réussi à faire croire à son personnage qui est seul sur Mars. C'est un des gros problèmes du film. Après, il est beau. Matt Damon. J'étais sûr que t'allais dire ça. Non, le film. C'est pile au moment où il y avait Matt Damon. Non, il y a des super plans. Mais des plans qu'on avait déjà vus ailleurs dans d'autres films. Je pense notamment à Interstellar, je pense aussi à Gravity dans ces dernières années. On n'avait jamais vu un plan sur Mars avec un arbre. C'est vrai. Et ça, c'est pas mal. C'est vrai. Faut le souligner. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de regarder. C'est limite si je me suis pas demandé si c'était pas un feel-good movie à la fin, seul sur Mars. Voilà, donc un bon feel-good movie. C'est le film que tu veux que ce soit. Par contre, ouais. Non, c'est vrai. Et puis. C'est le film de ta vie. Pour le coup, un peu long. Il y a une super bande son, mais à un moment, il y a, je sais pas si vous vous rappelez, il y a tout un long passage avec une chanson de Bowie. Je pensais que le film allait s'arrêter là, et c'est le seul moment dans le film où je me suis dit, oh putain, c'est pas fini. Voilà. Bizarrement, on dirait que je le défonce, mais j'ai bien aimé Seul sur Mars. Voilà, il m'a fait du bien en tout cas. Cool. Toi, mon cher Kerr, qu'est-ce que t'as pu voir cette semaine ? Et ben moi, hier soir, je voulais aller au cinéma pour voir un film qui s'appelle Le Fils de Saul, un film dramatique qui raconte l'histoire d'un juif à Auschwitz qui est embauché par les nazis, parce que vous savez que les nazis embauchaient des juifs en leur faisant croire qu'ils auraient la vie sauve pour les aider dans l'extermination. Et donc Saul, lui, est embauché par les nazis. Ça, je savais pas. Et en fait, d'ailleurs, donc, c'était les capots, etc. Aucun n'a survécu au camp. Enfin, sauf les derniers qui ont été sauvés par les alliés, enfin bref. Et en fait, Saul, lui, sa mission, c'est de brûler les juifs dans le crématorium jusqu'au jour où il trouve son fils, le corps de son fils, et qu'il doit brûler son fils. Il refuse et il veut donner à son fils une vraie sépulture. Et j'ai eu la flemme d'aller le voir. Ça a l'air drôle. Ça a l'air très drôle. T'as intérêt à assurer la chute. C'est la chute. En fait, j'allais partir pour le film, j'ai eu la flemme. Et donc, je suis resté chez moi. T'es encore plus rouge qu'avant. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu deviens violet. Mais respire, Kerr, respire. Pour ceux qui ont vu Jessica Jones, c'est le Purple Man. Ou alors, tu sais, dans Astérix, le petit qui retient sa respiration dès qu'il n'est pas content. Mais je peux... Non mais Kerr, faut faire quelque chose. Kerr, tu ne peux pas parler de la Deuxième Guerre mondiale. Tu deviens fluo. Et devenir fluo comme ça. Est-ce que tu as eu un accident de la route et tu as perdu... Regarde, et puis on est tous blancs. Oui. Regarde-toi. tu t'es tapé un... Mais pourquoi il met la caméra en rouge ? Salopard. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu la flemme d'aller au cinéma. Et je n'ai pas vu Le Fils de Saul. Du coup, je suis resté à la maison. Et je me suis dit, il faut quand même que je regarde un truc pour... Ah, il y a une suite. Oui, mais... Il y a une suite à l'histoire. Parce que là, je me suis dit, c'est le plus gros échec de le truc, cette histoire. Alors, pourquoi est-ce que je parle du Fils de Saul ? C'est parce qu'il y en a d'excellents retours. Que oui, je ne suis pas allé le voir. Je le regrette. Et je pense qu'il faut que vous y alliez. Parce que c'est un sujet qui est très lourd.
mais qui mérite d'être traité. Oui. C'est ça ton point. C'est, j'ai failli voir un film, mais je suis pas allé voir. Alors moi, du coup, je suis resté à la maison et je me suis dit, il faut que je regarde un truc que je n'ai pas vu pour en parler demain dans Cult & Geek. Et j'ai donc décidé de regarder le pilote d'une série qui s'appelle CSI Cyber. Donc, qui est le troisième spin-off des Experts, une série lancée en 2000. Alors, rendons aux Experts ce qui appartient donc, aux Experts. Donc, d'une histoire sur la Shoah, tu termines tout sur CSI. Et attention, tu n'as tes pas tes histoires sont toujours pas d'un, vu la d'un chute. Fumé. On rappelle le Stropol. Tu n'as pas vu la chute. CSI Cyber, c'est donc la troisième déclinaison des Experts à Las Vegas. Qui est Dawson. Attends, va pas trop vite en besogne. Qui, dans les années 2000, a été, il faut le reconnaître, un véritable phénomène aux États-Unis. Des audiences énormes et ça a relancé la machine série, puisqu'avec le succès des Experts, ils ont arrêté de donner la priorité à la télé-réalité. Ils ont relancé des séries comme ils ont créé des séries comme Desperate, Grey's Anatomy, Lost, Doctor House, etc. Donc les Experts, gros truc quand même. Les Experts se sont terminés l'année dernière. Il ne reste plus qu'une seule série dans l'univers des Experts, c'est CSI Cyber. C'est quoi le principe? C'est les mêmes experts qu'à Las Vegas, sauf que eux, leur truc, c'est l'informatique. Et donc, ils arrivent à résoudre des crimes avec une souris et une webcam. De la Shoah à Dawson, il n'y a qu'un pas. Voilà. Les experts comptables, bon, d'accord. Voilà. Et on se retrouve devant cette série. Les experts Noël. Je l'ai commencé en me disant, pourquoi pas? Alors, gros casting. On a Patricia Arquette, l'héroïne de Medium. On a James Van Der Beek, qui était donc le héros de Dawson. Et puis, on a aussi Peter McNichol, qui était un des deux boss de Ally McBeal, qui était absolument génial dans Ally McBeal, et qui depuis fait de la merde. Et la série commence, et là, 40 minutes de descente aux enfers. Mais vraiment, le truc qui me met un coup de pied aux fesses et qui me dit « t'aurais dû aller au cinéma », c'est le... Mais sans mentir, c'est le pire pilote que j'ai vu de l'année. Excuse-moi, je me permets. Vas-y, coupe. Cardel, c'est moi qui ai l'impression ou il s'est passé une heure depuis qu'il a pris la parole. Type. C'est juste. On n'a toujours pas parlé de la série. Je veux en toute simplicité. C'est le pire pilote que j'ai vu cette année. Rien ne fonctionne. On ne croit en rien. Leur manière d'utiliser l'informatique, c'est phénoménal. Ils hackent des PC du Pentagone en 3 secondes. Ils font des analyses de sang avec leur webcam en 15 secondes. Enfin, c'est vraiment incroyable. Ils nous prennent pour des idiots. Ils font... Alors, il y a un truc qui est marquant, c'est qu'ils font énormément de références à des jeux vidéo, à des consoles, à des sites, des réseaux sociaux, etc. Sauf que dans la série, ils ont inventé tout ça. C'est une console qui n'existe pas, c'est un réseau social qui n'existe pas. Bref, du coup, on est complètement à côté du sujet, on s'en fout. Pour terminer, donc l'intrigue catastrophique et l'interprétation, c'est incroyable. Je me suis posé pendant 30 minutes et j'ai cherché vraiment au fond de mon être pour savoir si j'avais déjà vu un acteur jouer aussi mal que James Van Der Beek dans cette série. Eh bien, je ne pense pas. Même un figurant dans Plus belle la vie, à mon avis, joue mieux que James Van Der Beek dans cette série, que je déconseille très vivement, sauf si vous voulez vous éclater et vous dire qu'il y a finalement pire que vous, pire que votre vie, hein, ce qu'on regarde par exemple avec le truc de à la con sur TF1 sur les casos. Regardez CSI Cyber, ça va vous remonter le moral. Il y a 2 saisons en plus, je crois. Et alors, les Américains, entre guillemets, aiment bien. Ça a été renouvelé pour une saison 2, les audiences sont catastrophiques et je comprends pourquoi. Ok. Donc... Et c'est moche de terminer la saga, entre guillemets saga, les experts sur de loin la pire des séries. Hein. Donc tu n'as pas vu quelque chose pour nous conseiller de aller en voir une autre? C'est catastrophique. Ne regardez pas cette série. Ok. C'est que tu m'as donné envie de la regarder. Ça a l'air tellement pérable que tu m'as donné envie. Ah non, mais c'est phénoménal. Mais phénoménal. À un moment donné, il y a Dawson qui va voir un gamin et qui surjoue la scène. C'est atroce, j'en pouvais plus, et qui lui donne un conseil parce que le gamin il était en train de jouer à un jeu vidéo et James Van Der Beek fait ah, moi je m'y connais en jeu vidéo, alors si t'aides l'agent de police que je suis, je vais t'aider dans le jeu vidéo. Alors à la fin il dit bah alors c'est simple, tu prends 5 vies supplémentaires et tu peux clean les 10 prochains niveaux. Et là je me suis regardé, je me suis dit putain mais mec étouffe-toi, enfin c'est juste pas possible, c'est incroyable. Et Patricia Arquette est insupportable aussi et on ne voit qu'elle. Ok, merci. CSI, c'est ça, ça s'appelle ? CSI Cyber, les experts CSI cyber, qui va très probablement arriver sur TF1. Et du coup, qu'as-tu en couverture de Télé Loisirs. À toi.
Bonsoir à tous. Eh bien, j'ai envie de dire, j'ai pu regarder The Scorch, Labyrinthe 2. Ah. Voilà, que en fait ça fait longtemps que je l'avais vu et on n'a jamais eu le temps d'en parler parce que chaque fois on se fait couper par quelqu'un que je ne veux pas dénoncer pas. Jeter en pâture au loup. Mais bref, et donc du coup donc, j'ai pu voir The Scorch. J'avais trouvé ça plutôt pas mal, le labyrinthe. C'était pas une grande histoire, mais j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Je me suis dit, l'histoire pourrait vraiment amener à quelque chose d'intéressant, un truc de science-fiction assez bien porté. Et vraiment, sur le début de The Scorch, je me suis dit pareil. Je me suis dit, ah, il y a un truc, il y a vraiment, en termes de science-fiction, ça va aller loin. On va vraiment porter les trucs. Alors, bon, il y avait Littlefinger de Game of Thrones qui jouait Littlefinger de Game of Thrones, mais pas avec les bons costumes. Donc ça, c'était un peu bizarre, mais à part ça, vraiment, c'était plutôt pas mal. Les scènes, on voit, putain, il y a des êtres humains qui sont farmés dans des champs, je sais pas quoi. Ok, ça, il y a une période vide, vraiment, où le film, tu sais plus où il va, et puis d'un seul coup, hop, on a les méchants qui racontent une histoire et tout, et tu dis, ah, mais en fait, c'est peut-être une question de point de vue, peut-être celui qui est méchant n'est pas celui qu'on pense. Et là, tu dis, ah, en fait, vraiment, c'est en train de placer les bases pour faire une vraie saga intéressante. Ouais. J'espère qu'ils reviennent à la méta-histoire, okay, plus qu'à leur galère pour des petites conneries. Et au final, d'un seul coup, c'est un peu comme si tu donnais toutes les résolutions de l'histoire et tu dis, ah, mais en fait, c'est mille fois moins bien pensé que ce que je pensais, en fait. En fait, ils m'ont fait rêver que c'était un truc de science-fiction de ouf, alors qu'en fait, c'est assez bidon. Ah, mais en fait, ça, c'est assez bidon. Ah, mais en fait, ça, c'est... Et le film, sur la fin, se démonte tout seul et il y a un petit truc pour en mode, bon, bah, on reverra plus tard, il y aura un film 3 ou pas. Etc. Mais il nous a donné en main toutes les cartes pour qu'on n'en ait plus rien à foutre de la suite. Pour qu'on soit complètement déçu d'avoir cru qu'il y avait vraiment possibilité qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Du coup, je suis hyper déçu de ce film. C'est un vrai loupé. Il y avait, enfin, est-ce que c'est moi qui ai projeté des trucs que j'aurais bien aimé voir et qu'il n'y avait pas dedans, ou est-ce que c'est vraiment le film qui a juste abandonné? Mais on a vraiment l'impression que c'est comme une histoire de science-fiction super balèze, vraiment hyper, hyper poussée, avec beaucoup de théories, qui est en train de se mettre en place. Et après, il y a un script doctor qui dit « Non, c'est trop compliqué, non, c'est trop compliqué, non, c'est trop compliqué. » Et ça devient un film pour enfants. Je suis hyper déçu du film parce qu'au final, j'y croyais à ce film, alors qu'il a été un échec partout dans le monde, sauf en France. Ouais. Donc, et au final, c'est bien mérité. Il y a Naëlir qui demande si le labyrinthe, c'est l'histoire d'un mec qui prend une correspondance à Châtelet. C'est une blague de Parisien. Oui, c'est de Parisien qui prend le métro parce que toi, tu peux même pas la comprendre. Et bref, donc du coup, voilà. Donc j'ai envie de dire, enfin, je crois que Kerr l'a vu aussi. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup ? J'ai trouvé que c'est une catastrophe. Ouais, bah, c'est. C'était déjà un peu le cas du 1. Hein. Moi, j'ai non, trouvé le la 1, fin, j'ai... en tout cas. Il y avait un de l'espoir. Ouais, il y avait un truc, oui. Il y avait un concept. Alors, si c'était pas parfait, loin de là, il y avait un concept. Là, il y a même plus de concept. Le film part complètement en roue libre. J'ai trouvé ça catastrophique. Et du coup, le film fait que toute l'explication du film, tu te dis, mais pourquoi ils se sont fait chier à faire un labyrinthe de 500 km de long avec des robots, etc., pour cette petite résolution toute conne? Ça n'a juste aucun sens. Ouais. C'est juste pas c'est juste, ça n'a aucun sens. Ouais, ça m'étonne tellement pas. Et du coup, tu regardes le film et tu dis, mais là, c'est pas possible, il va y avoir un truc de ouf qui va sortir parce que sinon, le premier film n'aurait aucun sens. Ben non, le deuxième film arrive non seulement à avoir aucun sens, mais à te défoncer le premier en plus. Okay. C'est quand même un truc doux. C'est bien joué. C'est très bien joué. Mais je vais le regarder, moi, quand même. Il m'avait bien fait rire, le premier. Bon, enfin, voilà. Qu'as-tu vu, mon cher Cardéa ? Eh bien, qu'ai-je vu ? Qu'est-ce que je vais choisir ? Ben, je vais choisir une série. Tiens, on n'a pas encore fait. Je vous ai parlé la semaine dernière de Gotham, mais je n'avais vu que les trois premiers épisodes de la saison 2. Ça y est, je suis à jour. Eh bien, messieurs, moi, je préfère cette saison 2 à la première, que j'avais déjà beaucoup aimée. Je la trouve vraiment intéressante, cette saison 2. Les nouveaux personnages, je les trouve aussi intéressants. Bizarrement, je sais qu'on en avait discuté, et je la trouve plus sombre que la première saison. Je la trouve plus violente. J'aime bien où ça m'emmène. Ils ont fini par me faire aimer le personnage de Jim Gordon, que je pouvais pas blairer dans la saison 1.
Bruce Wayne, je le trouve de plus en plus crédible. Le Pingouin, j'aime bien cette espèce de déchéance. J'aime vraiment ce qu'ils sont en train de faire avec les personnages à l'intérieur. La Catwoman, que pareil, je pouvais pas blairer. Eh bien, je l'apprécie de plus en plus. Elle commence à avoir son charme. Alors là, j'ai mis le trailer de la saison 1 pour pas que ça spoil la saison 2. Mais ouais, je commence à apprécier de plus en plus et à attendre impatiemment la suite de Gotham. Je sais que c'est pas ton cas, Bigby, je crois que tu l'avais trouvé un peu moins cette saison 2. C'est une série qui est plutôt pas mal, mais elle, d'une manière générale, enfin, c'est ce que je disais la dernière fois, donc pour pas me répéter et aller vite, ouais. Elle pourrait être incroyablement plus sombre, et au final, elle est hyper oui, lissée. C'est normal, c'est de la télé, etc. etc. Mais qu'on parle là à une prise de risque d'un Game of Thrones, qu'on parle là à une prise de risque de n'importe de quelle des séries qu'on a vraiment kiffé, ouais. C'est une série... Enfin, tu vois, quand tu compares, tu dis, mais en fait, c'est une série pour enfants. Compare à True Detective, compare à n'importe quelle série. Et dans les faits, sur les premiers épisodes de Gotham, il y aurait pu descendre au fur et à mesure vers une noirceur, vers des personnages fous, vers des... aussi intéressant que les séries dont j'ai parlé. Maintenant, c'est pas fait sur la même chaîne. Ils ont d'autres ambitions. Il faut que faut rappeler que c'est Fox voilà, qui fait il faut ça. Que ça fonctionne pour tout le monde, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, en tant que spectateur, moi, je m'en fous de la chaîne sur laquelle c'est diffusé. Je veux juste voir la meilleure série possible. Et là, j'ai vraiment voir une série qui est bridée, un peu ce que je disais sur The Scorch, où on est obligé en permanence d'avoir une série qui est non mais ça c'est trop compliqué, on simplifie, ça c'est trop pour les ça passera pas pour les enfants, là il faut un peu de sang, là il en faut pas, enfin, c'est trop mignonné. Mais c'est peut-être ça la différence, c'est que tu en attendais peut-être beaucoup de Gotham et aussi du Lamérane. Moi en fait c'était Gotham, j'en attendais strictement rien, je pensais que ça allait être même nul et du coup je suis agréablement surpris par la suite. Les comics qui parlent de Gotham sont souvent des comics qui sont les plus violents, les plus durs, parce que c'est des comics où tu sais que tu vas pas toucher la fanbase de Batman, enfin tu vas toucher la fanbase de Batman, mais tu vas pas toucher les gens qui sont un peu en dehors, c'est-à-dire qu'ils vont lire un comics de Batman, qu'ils sont contents, mais pas qu'ils vont lire tous les comics qui ont jamais parlé de Batman. Ouais. Là, ça parle de la ville, ça parle de tout ce qui est autour, donc ça parle à des gens qui sont plus fans hardcore, qui sont prêts à aller plus loin dans la mythologie, et du coup, ils vont vachement plus loin. Donc quand tu vois ce genre de comics, tu vois la série, bah, t'es vraiment un peu déçu, quoi. Et c'est vrai que ma seule déception, c'est de ne pas voir plus Gotham, effectivement, de ne pas voir un peu plus la ville, ses méandres, tout mais ce qu'on pourrait y faire dedans. Surtout qu'ils sont tous en train de péter un câble, mais ils ne le font pas parce qu'il ne faut pas, c'est trop mignon, et quand ils le font, c'est contrôlé, c'est machin, et puis il n'y a pas trop de sang, un tout petit peu. C'est dommage, tu vois, Enigma, il est c'est vraiment un personnage, on sait qu'il va devenir un fou et... va plus loin, pète les plombs, fais des trucs de ouf. Et là, je sens que ça va juste être du clownesque. Et j'ai pas envie de voir du clownesque, j'ai envie de voir des personnages charismatiques qui ont la force que... Ouais, c'est bizarrement ce côté un peu caricatural qui me plaît justement dans les personnages. J'ai l'impression de voir The Flash des années 90. Tu vois. Ah ouais? Carrément. Ouais, ouais, vraiment, je suis un peu déçu par moment. Mais okay. D'une manière générale, ça reste inégal. Je suis un peu déçu, je me regarde 4-5 épisodes après, je suis content de les avoir regardés, mais je suis déçu, je ne regarde plus pendant un mois. Donc au final, j'avance, mais je suis. Enfin voilà. Après, parce que tu compares à True Detective, mais il faudrait. Quand tu les compares aux autres séries qu'on peut avoir sur les super-héros, pas forcément Daredevil qui était, je trouve, une exception vraiment, je trouve que ça reste quand même au-dessus, mais même bien au-dessus des Arrow, des Flash. Mais Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., par exemple, prend des risques et en ce moment est au-dessus. Ok. Et pourtant, c'est parti de plus loin, tu vois. C'est parti d'une série qui était vraiment très clicheton et vraiment pourrie. Et en ce moment, sur certains épisodes, ils prennent des risques, etc. Enfin, et en prenant des risques, le public est revenu. Je n'ai qu'une envie, c'est que Gotham prenne du souffle, soit un peu un Walking Dead, soit un peu un vraiment, et je suis sûr qu'elle en a le potentiel. Beaucoup plus noir, quoi. Oui, tu aimerais ça. Ok. Bon, voilà en tout cas pour Gotham saison 2. Il y a pour l'instant 9 épisodes. Peut-être que le 10e est sorti, ou en tout cas il sortira dans la semaine. Et Kerr, qu'as-tu vu, toi? Ben moi, je vais rester dans les super-héros et parler de Jessica Jones. On l'a pas fait. On va y parler à 3. Alors, j'ai vu le pilote, en tout cas. Pour j'ai vu les 13 épisodes. Ben moi, j'en ai vu 5. Pour l'instant, je trouve que c'est sympa. Et vraiment, sympa, ça définit.
cette histoire donc, de Jessica Jones qui est vraiment centrée sur le personnage, donc ça porte bien son nom parce que moi je pensais qu'on allait vraiment voir Luke Cage et au final on le voit pas trop. Jessica Jones, c'est donc une détective privée qui a des pouvoirs, on sait pas trop comment, on sait pas trop quels sont ses pouvoirs. C'est ce mystère que j'aime bien d'ailleurs, ouais, dans le pilote. Moi aussi j'aime bien. Alors il y a un truc qui me frustre, c'est qu'on voit pas assez... C'est clairement dit juste après. D'accord. Non, on voit pas assez la Jessica Jones travailler. Moi, je, bah, finalement, comme tous les super-héros, là, on la voit pas assez. En fait, le truc qui m'a beaucoup gêné, c'est que dès le début, on est dans la confrontation avec Kilgrave. Ça, c'est je trouve un petit peu dommage. J'ai trouvé que le personnage de Jessica Jones faisait vraiment du bien dans l'univers des comics, parce que toutes les héroïnes sont choupettes. Là, Jessica Jones, elle est dégueulasse, elle est vulgaire, elle est assez antipathique la plupart du temps. Quand tu compares à Supergirl, ça fait du bien de voir hein, ouais, ça. C'est, enfin, tu mets Jessica Jones à côté de Supergirl, la meuf, elle picole non-stop, quoi. Il y a Lamua sur Twitter qui a dit Jessica Jones, c'est la copine de classe emo qui veut te faire comprendre qu'elle a plein de problèmes dans sa vie en permanence à chaque seconde qu'elle te parle. C'est vrai que ça m'a un peu fait penser à ça. C'est un peu son physique à l'actrice Kristen, j'ai oublié le nom Rita. De famille, Kristen Rita. Ouais. C'était un peu le cas aussi, je trouvais, dans Breaking Bad. Elle était intéressante, mais elle a ce physique-là aussi qui te fait penser ça, je trouve. Ouais. Et donc voilà, alors au final, au bout de 5 épisodes, je trouve que l'intrigue est sympa. Je trouve que le personnage est sympa. Vraiment sympa, c'est le mot qui revient. Mais c'est pas fou. Il y a des trucs qui déçoivent. Je trouve que Kilgrave, interprété par... merde, son nom m'échappe. Dr. Who. Mais oui, mais par Dr. Who, mais David Tennant, qui est un acteur immense et qui est vraiment, vraiment exceptionnel dans Broadchurch. Là, je le trouve anecdotique. Et les gens disaient, et j'avais lu dans la promo... que Kilgrave allait surpasser le caïd de Daredevil. Alors pour moi, absolument pas. Je ne sais pas, peut-être plus tard, Bibi, toi qui l'as vu. Mais là, pour l'instant, je trouve que la série est sympa. Et il y a eu une telle... Enfin, on en a tellement parlé avant. On s'est tellement extasié devant l'affiche, devant le casting, devant l'annonce, trop devant de promo, le trailer. Tu l'as promo, hein, j'ai pour l'impression le coup, pour Jessica que Jones. Jessica Jones, c'est un petit peu comme pour beaucoup de choses. J'ai encore une fois l'impression d'avoir été la pute de la hype, et ça me fait vraiment, enfin ça me fait un peu chier quoi. Et tu le vois sur des jeux vidéo qui sont sortis récemment, qui au final déçoivent tout le monde. Fallout par exemple. Fallout, Battlefront, etc. Qui dans les faits sont pas des mauvais jeux. Mais on est tellement les putes de la hype que quand le truc arrive, bah soit on crache dessus parce que bah forcément on est déçu parce que ça correspondait pas à cette espèce de résultat idyllique qu'on n'a pas eu. Ou alors, on regarde le truc et on se dit oui ça pourrait être mieux. Et dans les faits, Daredevil, j'en attendais que dalle. J'ai trouvé que la série était vraiment sympa et avec des faiblesses, de nombreuses faiblesses, mais là on peut citer Marco Polo aussi pour ça qui... bah alors Marco Polo, mais Marco Polo c'était encore pire parce que quand la série est sortie tout le monde a craché dessus, puis après ils ont commencé à regarder en disant mais en fait c'est bien, enfin bref, là Jessica Jones c'est un petit peu l'inverse, c'est oh, Jessica Jones ça va être la folie, voilà. Et il y a un Twitter américain célèbre sur les trucs de super-héros qui donc termine Jessica Jones et rebalance ma tweet sur Jessica Jones en mettant voilà, c'est la fin de notre vie sociale, on est à fond dans Jessica Jones. D'accord, la série est sympa, mais voilà, c'est encore du bon boulot vraiment Netflix. Je pense que Jessica Jones est au-dessus des autres séries de super-héros excepté Daredevil, mais c'est pas encore un truc qui moi va me transcender. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que je suis déçu personnellement de la série. Alors que quand tu fais juste un point, tu te dis mais cette série, c'est la meilleure série de super-héros en dessous de Daredevil. Ouais. Donc déjà, ça veut dire un truc. C'est au-dessus de Gotham, c'est au-dessus de Arrow, au-dessus de... Enfin, voilà. Il n'y a que Daredevil qui est au-dessus. Mais... Moi, j'en attendais énormément de Jessica Jones. Et quand la semaine dernière, Kerr nous dit que la critique américaine est allée annoncer que le méchant allait être plus ouf que le Joker dans Dark Knight. Oui, alors ça aussi, ça, wow. C'est la vanne. Alors là, ça, je me suis dit, non, mais je me suis dit, mais ça va être incroyable. Là, clairement, en plus, le personnage de Jessica Jones,
son histoire, l'homme pourpre, donc il y a des pouvoirs pour manipuler en fait les gens, manipuler l'esprit des gens. En plus, le trailer qui apparaissait, où tu vois, où t'as les gens qui où on montre des images, où t'as des mecs qui essaient de se suicider en masse devant Jessica, etc. Je me suis dit, ça va être dantesque. Quoi. Il va prendre le contrôle. Ensuite, en plus, certains des épisodes les plus intéressants des Avengers sont basés sur l'homme pourpre. Du coup, je me suis dit, ça va être incroyable. Il va prendre le contrôle d'un bar, il va prendre le contrôle de la ville, il va lui faire vivre l'enfer. Elle est déjà torturée, il va la torturer encore plus. Tu vois, on va vraiment avoir un truc de ouf. Et un peu, j'ai l'impression que c'est le leitmotiv de ce soir. Même si après, il y a des trucs sympas que j'ai pu voir et que je vais vous conseiller. Le truc, c'est que Jessica, c'est décevant, quoi. C'est décevant parce que c'est pas très intéressant. Ce qui lui arrive, c'est pas très fou. J'ai lu une critique américaine qui disait que c'était basé sur exactement la même ritournelle que Dracula. En fait, Dracula, tu sais, il va voir une fille, il tombe amoureux d'elle. Il lui fait faire plein de misère autour, il la couvre de cadeaux, mais tu vois, il essaye de l'éloigner de ses proches. C'est un manipulateur, c'est un tueur, mais il essaye de la séduire tout le long, etc. Et il vient la hanter en permanence. Et c'est vrai que c'est exactement ça. L'homme pourpre, c'est exactement ça. Et ben voilà, c'est tout. Voilà, il vient juste la faire chier, il se présente à sa porte, ils disent voilà, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, toute la hype qui aurait pu être créée, tout ce moment où elle se fait torturer, qui aurait pu être intéressant, on aurait pu voir le personnage souffrir pour mieux remonter. Et tu vois, et vraiment avoir une vraie dynamique de série, il n'y a rien. En fait, il la torture, et au bout d'un épisode, hop, elle est là. Donc et on sent bien qu'il y a des problèmes de scénario, ils sont obligés de caser des histoires d'intrigue qui ne servent pas à grand-chose. Alors, ceux qui sont fans des comics vont comprendre que le personnage du paramilitaire, que je ne veux pas spoiler avec une petite pilule, c'est un personnage qui est très important pour Daredevil. Donc, ok, c'est super, ils l'ont introduit, mais pourquoi est-ce qu'on a passé 4 épisodes sur ce mec? Lequel? Bah, je ne vais pas spoiler, celui avec des pilules. Il y a un personnage qui a des pilules. Bon, bref, tu y seras plat. Et voilà, et puis on se rend compte qu'il y a un autre personnage un peu à côté qui aussi prend son importance, parce qu'ils sont aussi en train de créer l'univers. Tout ça, ok, cool. Vous créez un univers, c'est super, la série, elle est bien faite, il n'y a pas de problème. Mais la mécanique de la série, de faire une série, en fait, Jessica Jones, peut-être que son problème, c'est que c'est une série Netflix. Peut-être que son problème, c'est que du coup, c'est une série qui est faite pour être regardée en une traite et pas toutes les semaines, etc. Parce que du coup, il n'y a jamais de cliffhanger. À la fin de l'épisode, tu te demandes jamais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? T'en as, alors moi pour le coup qui veut que le pilote, t'en as un dans le pilote en tout cas. Mais il n'y a plus rien après. Vraiment, tu ne regardes que parce que tu te dis cette série, j'ai envie de la regarder, c'est la série la plus hypée du moment, etc. etc. Il y a des personnages, je vois sur le chat, il y a des personnages qui eux sont plutôt intéressants. Luke Cage, on sent qu'il va être intéressant, qu'il va avoir son histoire et tout. Même si, après, une fois que tu as terminé la série, tu te dis au fond qu'est-ce que j'ai à apprendre de lui. Parce que t'en sais à peu près tout. De son passé, de son présent. Enfin, bon voilà. Enfin, il y a un goût d'inachevé. Le premier épisode, toi qui l'as vu, Cardel, ouais. En fait, à chaque fois qu'on parle de l'homme pourpre, donc de Tennant, ouais. En fait, il y a donc de Kilgrave. Le nom est d'ailleurs balancé dès le premier épisode, voilà. Hein, de Kilgrave. Dès qu'il y a le moindre moment où on fait une mention à lui, etc., la colorimétrie change. On a un peu de violet qui apparaît et on sent que sur les lumières d'ailleurs. Voilà, et sur les lumières, et puis c'est vraiment bien fait, et on a vraiment une ambiance qui est créée. Bon, ok, super, c'est une super idée, c'est vraiment excellent. Du coup, t'as pas besoin d'un mec pourpre comme dans les comics. C'est juste un effet, tu vois, d'habillage cool, vraiment super bonne idée, super bien réalisée. Et bah, épisode 2, c'est oublié. Épisode 2, c'est fini. Plus jamais on verra ça, plus c'est foutu. T'es ok, vous, ouais,
Vous me donnez pas du tout envie de continuer parce qu'en fait j'avais aimé beaucoup de choses dans ce pilote, notamment l'ambiance très jazzy, tu sais, de qu'ils ont donné à ce premier épisode avec des beaucoup de musique avec des cuivres et tout ça, très très mélancolique, très. Moi j'ai adoré ça, j'ai adoré l'ambiance du premier épisode, j'ai aimé sa lenteur aussi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Après, donc tu parles de scénario, je sais pas, c'est possible, j'ai pas vu la suite, mais en tout cas dans le pilote, j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes de réalisation, moi. Que justement tu parlais de l'ambiance qu'ils avaient réussi à donner, mais encore une fois, c'est des choses qu'on a déjà vu, notamment quand elle court, tu sais, avec cette cam qui est toujours face, machin, ça je l'ai déjà vu 10 000 fois, cette façon de déformer un peu l'espace, je l'ai déjà vu aussi 10 000 fois, ça m'a pas mis sur le cul. Tout ce que j'ai aimé, c'est en fait, c'est l'ambiance. Ouais, c'est propre, il y a une bonne ambiance. Enfin, là, du coup, en fait, tu sais, on parle de scénario, le truc, c'est qu'il y a un moment, donc pour ceux qui ont vu la série jusqu'à l'épisode 8 ou 9, il y a un moment dans la relation avec Kilgrave, Jessica et donc Kilgrave, c'est avance beaucoup. Je dis pas comment, je dis pas pourquoi. Enfin, mais voilà, il y a, ils sont vraiment très longtemps en contact ensemble. Je n'explique pas la situation. Et là, il y a un possible twist complet de l'histoire. Et clairement, et Jessica, tu vois, en parle. Il y a un twist possible complet de l'histoire qui peut être vraiment intéressant et vraiment ouf. Et ben. Il se passe pas de scène, il y a rien, d'un seul coup transition, non c'est de la merde et on repart sur le train-train de la série. C'est hyper étrange de poser les jalons petit à petit pendant un épisode sur le fait que tout ce qu'on avait vu pouvait être le démarrage d'un truc de ouf pour tuer l'histoire dans l'œuf. Enfin, je trouve ça étrange, surtout parce que vu que c'est sur Netflix, y a pas, ils peuvent prendre des risques. Il y a la place pour ça, surtout pour une première saison où ils balancent tout en même temps. C'est étrange. Et la fin, je suis hyper déçu de ce qu'ils ont fait avec, avec un personnage, je ne dirai pas qui. Je suis hyper déçu de ce qu'ils ont fait avec un des personnages. C'est pas loin d'être une catastrophe pour l'univers Marvel dans sa totalité. Enfin, pour être un fan de comics, de se dire putain, mais ils ont pourri un personnage qui aurait pu avoir une importance capitale dans les Avengers, dans les Defenders, enfin vraiment qui aurait pu vraiment être très très régulier, et ils ont fait quelque chose qui fait qu'il ne sera pas utilisable, et je suis hyper déçu de ça. Donc cette série, faut bien voir, c'est une série, encore une fois, comme dit Kerr, c'est la meilleure série de comics après Daredevil. C'est vraiment très bien. Il y a vraiment plein de trucs bien. Mais c'est les mecs qui ont fait. C'est Netflix qui a fait House of Cards. On pouvait, et cette série pouvait aller plus loin, et elle s'auto-détruit, elle s'auto-marche sur les pieds. La fin en est le meilleur exemple. Et je ne comprends pas, Et du coup, je suis déçu parce que la hype d'avant, je suis déçu parce que de dire que ça va être le plus gros chef-d'œuvre de l'univers, j'étais en passe de le croire, et du coup, je suis déçu. Enfin, voilà. Clairement, la série Jessica Jones, et puis cette fin est tellement, tellement déçue. Et les gens me disent, oublie pas Agents of Shield, c'est très bien, mais c'est, et y a vraiment des épisodes stylés. Mais c'est pas non plus au niveau de Jessica Jones, faut pas déconner. Il y a une vraie qualité de production dans Jessica Jones. Maintenant, et James O'Shea, avec des moyens plus ridicules, prend plus de risques sur certains épisodes. Il y a un petit garçon sur le chat qui dit « Il dit de la merde, le chemisier ». Je crois qu'il parle de toi. À mon avis, il fallait pas relever, mais... je trouve ça rigolo, le chemisier. Mais du coup, moi, je vais finir sur un truc, parce que c'est ce que je me suis dit pendant tout l'épisode 1. Je me suis dit, mais en fait... C'est pas ça, moi, l'histoire de Jessica Jones. Pour quelqu'un qui, justement, ne connaît pas les comics et qui... Je me suis retrouvé dans un épisode où je me disais, moi, en fait, ce que j'ai envie de voir comme série, c'est tout le moment où elle a été contrôlée par Kilgrave. C'est pas l'après, moi, que j'ai envie de voir, c'est le pendant. Ça aurait pu être d'excellents flashbacks sur des trucs qui font qu'elle est torturée. Mais tu vois, je les attends, les flashbacks, du coup, dans la saison. Et le truc, c'est que, surprise, ils ont réussi à faire des flashbacks sur des trucs dont on a rien à foutre. Enfin, complètement rien à foutre. Et pourquoi ? Alors, enfin, le pourquoi, c'est eux qui le savent, mais une des impressions que j'en ai eues, c'est parce que ils ont juste essayé d'introduire un autre personnage, encore un autre, qui sera peut-être utile dans la saison 2. Et ils ont orienté les flashbacks et le passé de Jessica Jones pour que ça coïncide avec un autre personnage qui sera important dans la saison 2, parce que c'est un personnage qui sera aussi super-héroïque après. Enfin,
essayez juste une excellente série. Et elle avait tout en main. L'acteur était bien. C'est juste un pur problème de scénario. Ok, en tout cas, voilà pour Jessica Jones. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Kier, là-dessus ? Non, mais par contre, tu m'as vachement intrigué pour ce que tu as dit sur la fin et le personnage. Là, j'ai presque envie de demander de me le dire. Enfin, non, mais j'ai quand même hâte de voir la suite, mais je t'avoue, pour l'instant, c'est et pas. C'est moins, et c'est moins intéressant que le possible twist qui est vers l'épisode 10, je crois. Et en fait. Ah non, mais en fait, c'est trop compliqué pour nous. Et on passe à gauche. Tu as c'est mal trop étrange. Ouais. Tu as Malin qui nous dit sur le chat, ces mecs se hype tellement pour rien, normal qu'ils soient déçus à chaque fois. Est-ce que ce serait pas ça notre problème? Mais on attend beaucoup de choses en fait. Il faut arrêter de dire. On est des optimistes. On est tous hypés par. Je sais pas. Non, mais c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure. On s'est fait hyper par la promo de la série aussi. Oui, mais on s'est fait. On se fait hyper. On est tout à l'heure. Je dis, on est les putes de la hype. Moi, vous, nous. Toi, enfin, voilà. Non, bah, non pas moi, surtout plus, toi, plus surtout qu'un toi, autre. Toi, vous me dites, oui, tu vas aller voir Star Wars 45. Non, déjà non. Mais en fait, on est tous victimes de la hype comme ça. Il suffit de regarder les réactions au dernier Nintendo Direct où tout le monde a eu des orgasmes sur l'arrivée de Cloud dans Smash Bros. Pour comprendre qu'on est tous hypés par. On nous donne un petit truc qui soit fait référence à notre nostalgie de gamin, soit c'est un truc de super-héros, soit c'est un gros film, soit c'est. Si c'est bien vendu, on est complètement hype et on est déçu ou on est content. Mais parce que c'est plus facile de hyper que de délivrer, en fait. C'est plus facile de générer de l'espoir que de faire une série de 13 épisodes, de ouf, etc. Mais en même temps, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a des cult and click où je suis là en censé 3 séries d'affilée. C'est rare, mais ça arrive. Et là, ce soir, c'est rare, mais ça arrive. Les 3 premiers trucs que j'ai regardés, c'était nul. Le 4e, dont j'ai parlé juste après la pub, était excellent. Quel teasing, bah du coup, on se retrouve dans 5 minutes. Et c'est vrai que j'ai dit Cloud au lieu de Cloud, mais Cloud. Je jouais mais la oui, version française de FF7 sur PS1. C'était le Cloud Gaming avant l'heure. Il s'appelait Cloud en VF. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, vous êtes tous américains et c'est bien. Mais moi, je l'avais en VF, désolé. Et on continue dans 5 minutes, du coup, tout de suite. C'était Cloud sur Ergeist, le jeu de baston déjà où il apparaissait sur PS1. Et ça, quand tu y as joué, c'est que t'es un vrai. Et ouais, ma gueule. Bon, bisous, à tout de suite pour Qu'est-ce qui était bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Cult and Geek, une émission de qualité. Ce soir, oui. On se retrouve avec mon invité préféré et également notre cher Kerr qui sont présents ce soir. C'est un vrai plaisir. Et oui, car je ne peux pas dire que mon invité préféré, même si voilà, toi-même tu sais, c'est le Purple Man, l'homme pour. C'est vrai qu'il est là. Killgrave est parmi nous. Et invité depuis Jessica Jones. Pour mes 32 ans, tu pourrais être sympa. T'es 32 c'est ans pas encore. Et qui ne sont toujours pas là. Je t'invite toujours à demain. Faire ton marathon ce soir, ouais. Cette nuit, pour canner des tipis. En tout cas, ça fait plaisir de reprendre avec Ours Aveugle, Silver Savaria, La Chemise, Shining 30-10-2-1-0, Latulala et également Tomahawk et Tetsunomu, Merier Kanu et tous les autres. On Allez, enchaîne, ouais. Vous vouliez parler, je crois que c'est Cardel qui voulait commencer. Écoute, pourquoi pas, ouais, bien écoute, je vais parler d'un truc comme ça, on va faire rapide sur une série qu'on a vu tous les deux, qui est Chicago Med. Ah oui, hyper vite. Oh oui, très très vite. On a une petite vidéo. Ah bon? Ouais, j'ai en parlé. Bah, j'ai mis le trailer aussi. Donc voilà, c'est le trailer. Et tu me coupes pour dire ça, oui, alors qu'il allait se lancer de toute façon, okay, et qu'on doit faire vite. Allez, perds pas de Donc, temps. Donc, Chicago Med, une énième série sur les urgences à l'hôpital. Ça m'emmerde, je passerai mon chemin pour les prochains épisodes. C'est fait par les mecs qui ont fait Chicago Fire et Chicago quelque chose d'autre. Et Chicago PD. Voilà, déjà vu, revu et re-revu. Ça a été fait par Dick Wolf, le monsieur qui est derrière New York, unité spéciale, New York, enquête exceptionnelle, New York, la police, c'est cool. Il a fait plein de séries sur New York et il a lancé Chicago Fire pour se relancer. Et Chicago Fire, c'était original entre guillemets parce que c'était enfin une série qui n'était pas à New York sur les policiers sur les pompiers c'était sur les pompiers avec un casting qui fonctionnait plutôt bien et avec des twists en permanence. Alors c'était extrêmement gros, c'était très larmoyant, mais il y avait du twist tout le temps. Ils ont réussi à introduire dans Chicago PD un policier bad guy qui du coup rendait un petit peu logique
entre guillemets une série sur lui, mais c'était pas foufou. Et là, Chicago Med, comme tu l'as dit, aucun intérêt, aucune originalité, casting fade, histoire directement sortie d'un mauvais épisode d'urgence. Le pilote ne se justifie pas du tout. Pour l'instant, c'est très décevant. Le seul truc qui, entre guillemets, est sympa, c'est qu'on retrouve le personnage de Tommy de Arrow, qu'on avait plus vu depuis un moment. J'ai envie de dire, on s'en foutait, mais enfin, peu importe. Chicago Med, on oublie. Ouais, j'ai juste une question sur le chat qui a été posée qui dit pourquoi est-ce que vous parlez jamais de Supernatural ici ? Et du coup, j'ai envie de reposer la question à tout le chat. J'ai pu regarder les 7 premiers épisodes de Supernatural parce que tout le monde disait wow. J'ai pas compris. C'est Smallville avec des loups-garous ou des méchants et des fantômes. Et j'ai trouvé ça vraiment nul. Et tout le monde m'a dit non, mais il y a un moment, la série a failli être annulée. Ils sont partis 10 fois plus hardcore et machin, et c'est plus intéressant. Mais je ne l'ai pas atteint. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Donc voilà, question ouverte au chat. Parce qu'il y a quand même 8 saisons ou je ne sais pas combien. Donc, c'est directement la 3e qui est bonne, il faut regarder. Tiens, on aurait peut-être dû faire ça comme Stropol. Mais en tout cas, Big B, toi, tu voulais nous parler d'une série. Non, après vous. Je vais juste vous dire ce que j'ai vu, si je vous le conseille ou pas, très rapidement. The Walking Dead, le dernier épisode, j'ai envie de dire que c'est un petit peu du foutage de gueule. On s'est farci 3 premiers épisodes de la saison qui étaient vraiment très bons. Les 4 suivants, globalement décevants. Vivement à la fin de la moitié de saison, où on aura encore un truc de ouf qui va nous faire baver jusqu'à la rentrée. Et puis on sera encore déçus au retour. Homeland, par contre, vous l'avez tous enterré, la série est géniale. La nouvelle saison est vraiment pour moi une des meilleures séries actuelles. Je le dis chaque semaine. L'épisode de cette semaine était très très bien. Et j'ai beaucoup aimé le petit message pour les victimes des attentats au début de l'épisode 6 de la saison 5 d'Homeland. Là, c'est l'épisode 7 qui a été diffusé. Je vous le conseille. Ash vs Evil Dead, c'est toujours autant barré. J'ai regardé l'épisode 4 aujourd'hui. C'est vraiment sympa. Mais ça part dans tous les sens. Mais ça garde une cohérence quand même. Et ça, c'est chouette. Scream Queens devrait s'en inspirer. Empire, j'ai vu enfin le pilote de cette série phénomène aux US. Je peux te poser une question. Ouais. Quel était le début de ta phrase ? Mais en fait, je spam les séries. Empire, donc la série phénomène aux États-Unis, c'est une des 4 plus grosses audiences aux États-Unis. J'étais vachement intrigué. J'en attendais rien du tout. J'ai beaucoup aimé le pilote. Du coup, j'ai envie de voir la suite. Les 5-6 premiers épisodes sont vraiment cool. Après, je commence à m'ennuyer. Et apparemment, la saison 2 est vraiment bien. Donc voilà, et puis c'est tout. Ah non, j'ai vu Into the Badlands dont tu parlais la semaine dernière. Série MC avec des ninjas dans le monde de Mad Max. C'est exactement et en ça. Fait, avec des coquelicots. Avec des coquelicots, avec énormément des coquelicots. De coquelicots. et des enfants qui cueillent des coquelicots. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi. Du pavot. Ouais, ah oui, t'as raison. Ouais. Bref, ça va trop vite. Ça introduit un monde, ça introduit un concept avec les ninjas, les Clippers qui sont super forts, ce qui est complètement différent de la NBA où les Clippers sont super nuls. des personnages secondaires, en veux-tu, en voilà. Et en fait, on se retrouve avec un épisode qui dure 40 minutes, t'es à peine rentré dedans, tu commences à peine à comprendre qui est qui, où ils habitent, ce qu'ils peuvent faire, bam, fin d'épisode. Et c'est un pilote trop court pour moi. Donc voilà, mais c'est pas mal, Into the Bell. Yes, exactement. Eh bien moi, je n'en ferai. Attends que je regarde qu'est-ce que j'ai vu. Oui, je n'en ferai qu'une. J'ai vu enfin Vice Versa, le tout dernier Pixar. C'est pas mal, mais ça va pas assez loin. C'est pas le tout dernier Pixar. Moi, j'ai vu le tout dernier Pixar. Le monde d'Arlo. Yes. Bon, l'avant-dernier Pixar. C'est le voyage d'Arlo, ne te trompe pas. Le voyage d'Arlo, pardon. C'est pas mal, je passais un bon moment, mais je trouve que ça va vraiment pas assez loin. Ça reste trop gentil à mon goût, Vice Versa. Voilà. Alors on me dit que les Clippers, c'est pas une équipe qui joue mal en NBA. Ben je vous invite à regarder leur dernier match et leur classement. À toi, Bibi. Alors moi, je vais parler de ma série favorite de cette semaine. Eh bien, je vais parler de You, Me and the Apocalypse. Kerr nous avait regardé le premier épisode, avait dit ouais c'est bien, je sais pas quoi en penser, j'ai regardé le premier épisode. Est-ce que t'as regardé plus que ça ? Non, j'ai regardé que le pilote pour l'instant. Daniel, notre stagiaire montage, m'a conseillé de regarder cette série vivement. Mais j'ai trouvé ça sympa. Cool. Hein. C'est vraiment cool. Il y a, on sait jamais où l'histoire va aller. C'est plein de surprises. Tous les personnages ont vraiment une part hyper intéressante. Il est je dis n'importe quoi. J'ai oublié son nom. Aide-moi. Rob Lowe, merci. Jude Lowe. Et donc, Rob Lowe est vraiment l'espèce de comic relief hyper marrant. Là, celle qu'on voit en jaune, la criée,
Ah oui, c'est une nazie. Ouais, c'est une prisonnière qui est en fait une nazie avec un. Elle a une croix gammée sur le front. Et à un moment, elle dit non, mais j'étais obligée de me faire ce look pour faire pour peur. Qu'on respecte. Et donc, tu vois, la meuf se retourne en disant mais ça veut dire que t'es pas fasciste. Et elle lui dit si. Mais là, c'est quand même pas stylé comme look de se mettre les croix gammées sur la tête. Mais ouais, je suis complètement rageuse. Enfin bref, et donc les personnages sont tous les plus fous les uns que les autres. C'est hyper jouissif, c'est vraiment super agréable à regarder. Enfin voilà, j'ai dû regarder 6 ou 7 épisodes d'affilée avec le plus grand plaisir. Je ne peux que vous dire que si vous cherchez une nouvelle série à regarder, Yumi and the Apocalypse, c'est un très très bon choix. Et alors je crois que cette série est co-brandée par les chaînes anglaises. Je crois même qu'elle est produite principalement par l'Angleterre. Et encore une fois, c'est une série anglaise. Je me dis mais what the fuck, mais la qualité des séries anglaises comparée à nos séries, mais what the fuck, c'est pas possible. C'est une série excellente qui se passe à la fois en Angleterre, aux États-Unis. What the fuck. Alors tout le monde va me dire il n'y a pas que Joséphine Ange Gardien dans la vie, certes. Mais là, c'est une série qui a du budget de manière très raisonnable et qui en fait quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc, alors le pitch, parce que Kara en avait parlé il y a très longtemps, une météorite va tomber sur la Terre, c'est l'apocalypse, le monde va se terminer dans, dans 30 jours, 28 jours. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ils font venir le spécialiste des impacts qui vont changer d'air la planète Terre, donc d'extinction massive. Et dit, on n'a pas de plan. On ne sait pas. Et donc, en fait, ils se regardent tous, ils ne savent pas. Et de là, c'est le bordel. Et de là, la série s'installe et c'est vraiment cool. Ok. Merci, donc ça s'appelle You, Me and the Apocalypse. Voilà. Petite réaction sur le chat, il y en a qui demandent, il dit qu'on parle jamais de The Good Wife, on en a déjà parlé, c'est une série qu'on aime beaucoup, Bigby et moi. C'est une excellente série. Agent X, t'en avais parlé, jusqu'à t'as dit que c'était la mort d'un personnage important. Ouais, mais comme ça, ils arrivent à s'en sortir. Et ça devient vraiment, vraiment trop redondant après. Maintenant, il paraît que cette saison. Et cette nouvelle saison est bien, donc du coup je retenterai à partir de cette saison. Moi jusqu'à l'histoire n'avance ce plus. Personnage, j'ai et vraiment adoré. Ouais. Et sinon, Agent X, t'avais dit que c'était catastrophique, et moi j'ai pas vu. C'est toi qui avais dit ça. Je me rappelle plus que c'est Agent X. Ah oui, c'était on toi avec Charles Stone. Oui, effectivement, c'est catastrophique. Catastrophique. Et j'ai visiblement agacé beaucoup de gens en disant du mal des Clippers. Et j'ai dit ça parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup avec les Golden State Warriors. Donc, du coup, forcément, je suis un petit peu déçu des résultats de ce début de saison. Et Agent X, tu voulais en dire quoi ? Moi, rien, je ne l'ai pas vu. C'était, c'est catastrophique. Il y a quelqu'un qui nous posait la question. Est-ce que tu as un autre truc ? Nope. Vas-y. T'en as plus ? Non, j'ai un coup de cœur par contre. Moi, j'ai un petit coup de cœur aussi très rapide. Bon, on passe au coup de cœur très rapide. Ok, on a 3 minutes. Ça fait 1 minute top chrono chacun. Oh putain. Ouh, ça va être tendu. Allez, je dois ouvrir le cadeau en plus. Putain. Donc on a. Bon bah comment j'ai cherché le cadeau déjà. On a 1 minute et Kerr a 30 secondes. C'est parti. Eh bien, pendant que Kerr va ouvrir son cadeau, je commence ou tu veux commencer, Bigby ? Non, comment, je t'en prie. Allez, je commence. Eh bien, je vais faire un coup de cœur qui me semble que tu avais déjà fait, Bigby, mais j'ai enfin vu ce film. C'est un film d'Antoine Fuqua. Antoine Fuqua qui avait fait Equalizer et qui avait aussi fait le bon Training Day. Et je veux bien entendu parler de Southpaw ou La Rage au Ventre en français. Film avec Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams et Forrest Whitaker. Honnêtement, quand j'ai commencé ce film, alors non, d'abord je vais vous dire de quoi ça parle. Ça parle en fait de la déchéance d'un. Je le trouve très dur à résumer ce film sans spoiler. Un boxeur, il va se passer un élément tragique dans sa vie. Il prend des coups autant sur le ring que dans la vie. Que se passera-t-il ? Exactement ça, voilà. Non mais c'est exactement. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous lâchez un mec assez violent avec un truc tragique. Que va-t-il arriver ? Eh bien, c'est formidable, j'ai trouvé, Southpaw. Même si je vais en faire quelques critiques après. Notamment sur la fin, je la trouve un peu trop happy end. Mais qu'est-ce
qu'est-ce que j'ai pensé de je vais y arriver, de Southpaw? Eh bien c'est le Rocky des temps modernes, mais c'est vraiment ça, c'est un film sur la déchéance d'un homme. Limite je trouve que le prétexte de la boxe, on aurait pu parler d'autre chose, ça aurait pu être un joueur de tennis ou quoi que ce soit, ça aurait fait la même chose. C'est vraiment vraiment très très intéressant. La manière aussi dont il filme les combats de boxe est ultra différente par rapport au reste du film. J'ai trouvé ça très intéressant, justement ce parti pris de changer les deux. C'est un film mais vraiment extraordinaire. C'est pendant que notre ami Karaté avec le compte Gaming Life TV1 est en train de rager sur le chat en disant mais non le film est nul, mais non je vous l'ai dit que le film était nul, mais le film est très bien, c'est juste que tu vas mettre plus de temps que nous à le réaliser. Ne t'inquiète pas, ça peut arriver. Les acteurs sont d'ailleurs très bons. On me dit, Monsieur Marcadet qui nous dit le film est pas ouf, il est complètement sauvé et porté par Jake Gyllenhaal et Whittaker. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, Jake Gyllenhaal fait encore un numéro, mais juste formidable. Je crois que je n'ai jamais vu de film mauvais avec ce mec-là, que ce soit Enemy, que ce soit Nightcrawler. Alors, attention, parce qu'il a quand même joué... Il a ses casseroles Ah oui, 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 parce que tu sais, il a joué l'Assassin du Désert, là, tu sais, avec les Sables du Temps. Prince of Persia. Prince of Persia. Mais par contre, il a quand même de sacrés films parce que Brothers, c'était excellent. Denis Darko. Prisoners. Et il a fait également le jour d'après, tu sais, la fin du monde. Le jour d'après. C'était lui dans tellement mauvais film que je l'ai oublié, le jour d'après. Mais il est pas si mauvais que ça. Franchement, c'est un des meilleurs Roland Emmerich. Ceci étant dit, Roland Emmerich n'a fait que de la merde, donc c'est pas compliqué. Et vas-y, continue. Mais écoute, j'avais à peu près fini vu que je n'ai qu'une minute. Je vous conseille Southpaw si vous l'avez pas vu. Il est dur, il est tragique, mais il est à la fois avec une belle happy end. Voilà, la rage au ventre. Ouais. Du coup, je vais enchaîner avant qu'on lâche le Kraken pour la dernière note de la soirée. Alors, je vais vous parler d'un petit film de notre ami, eh bien, Ridley Scott, parce que Ridley Scott, c'est quelqu'un. Et oui, je voulais juste dire, par contre, déjà fait quelques bons films. Attends, je veux juste finir ça aussi. Je voulais le dire, le Karaté qui nous dit le boxeur écoute du rap, on est pauvre, un machin. Effectivement, j'ai juste pas compris la bande son d'Eminem, qui je trouve dénature le film. Absolument, j'ai pas compris c'est pourquoi. C'est un coup de com. Voilà. Ça, pour le coup, c'est un coup de com. Il faut pas chercher. Alors, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, à la base, La Rage au Ventre devait être la suite de 8 Mile. Finalement, ils ont abandonné cette idée, ils ont fait Southpaw, et ils ont quand même voulu garder le clin d'œil avec Eminem qui a fait la bande-son. Mais non, mais ça aurait été du judo, c'était l'histoire d'un mec qui commence, il est ceinture jaune. Voilà. Et Eminem avait déjà fait la bande-son de Training Day, d'ailleurs, donc il avait déjà bossé avec Antoine Fuqua. Et Training Day, très bon film. On enchaîne, excellent film. On enchaîne, donc Ridley Scott, c'est un réalisateur qu'on a pu aimer sur des films comme Alien, et c'est un réalisateur que certaines personnes ont un peu décrié comme Alien Exodus. Donc, il sait faire des trucs super stylés, des trucs moins bons. Moi, j'ai envie de vous parler d'un film qui souvent est oublié de sa filmographie, qui s'appelle L'Âme de Fond. L'Âme de Fond, ce film est un film, c'est un film qui n'est pas un film sur le cyclisme, de 96, voilà, 17 juillet 96 qu'il est sorti le film. Et pourquoi ? Et bah, c'était un film d'été. C'est une histoire, en fait, de... c'est une colonie de vacances, grosso merdo, enfin une école sur un bateau, qui va embarquer eh bien, du coup, de nombreux jeunes étudiants. Je sais pas, oui, c'est ça. Ils ont, tout d'abord, je t'ai mis une vidéo, mon cher Tech, tu n'as pas d'excuse. Donc, il y a le trailer, en fait. Dans oui, il est connu, lui, c'est qui ? Je crois que c'est John Savage. Et bref, et donc tout ça pour dire que eh bien, donc, cette compagnie va en bateau faire le tour un peu de l'océan, je ne sais plus où ils sont, et ils vont apprendre, en fait, l'idée c'est vous allez apprendre à devenir des hommes, c'est un peu le cercle des poètes disparus sur l'eau, et c'est vraiment un peu ça, c'est vraiment 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 bien, c'est vraiment inspirant, etc., c'est... les débuts de l'adolescence. Enfin, j'ai vraiment trouvé le film assez stylé. Et puis, il y a une lame de fond. Et puis, il y a un énorme grain marin. Du coup, le bateau, l'Albatros, qui est le bateau école, va rencontrer une tempête. Je n'en dis pas plus. Ce n'est même pas, au fond, ça, le point le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment ce côté, le film du cercle des poètes disparus sur l'eau. C'est un film assez, assez feel-good. Pendant que je disparais la caméra. C'est un film assez feel-good qui a une vraie
excellente atmosphère. Voilà, si au bout de... Le film dure combien de temps ? Allez, le film dure 2h05. Si au bout de 2h04, vous n'êtes pas rentré dedans, lâchez, la dernière minute ne servira à rien. Si au bout de 2h03, 2h02, vous posez des questions, déjà là, je pense que c'est un peu cramé. Mais, enfin voilà, c'est typiquement un film qui vous fera voyager. En plus, moi, j'aime énormément les films qui portent sur l'océan, la navigation. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'eau. J'aime beaucoup l'élément aquatique. enfin bref, donc tout ça pour vous dire... Je me déguise en commandant de Cousteau. Je tourne en rond. Donc, si vous avez envie de regarder Le Cerf des Poètes Disparus sur l'eau, sur un bateau, et c'est quand Le Bon Coin Gaming me dit Gaming Life TV1, je n'en sais rien karaté. Mais et j'ai envie de dire... C'est Guy au bazar. Bref, donc karaté, mon cher, eh ben, il va falloir que tu fasses Le Bon Coin Gaming dans pas longtemps. En plus, il fait le vendu ce soir, karaté. Bref. C'est bon, je peux passer à... Ouais. Et voilà, et puis si les images vous parlent, c'est vraiment le film. Et Jeff Bridges est excellent en mentor de son petit bateau, en personne qui va apprendre un peu la vie aux différents étudiants. Voilà. Ok. Moi, mon coup de cœur, eh ben, c'est un petit coup de cœur, parce que c'est pas non plus le film du siècle, c'est Le Voyage d'Arlo, le nouveau Pixar, qui sort demain au cinéma, que j'ai pu voir en avant-première. Gros coup de gueule sur l'avant-première, parce qu'ils n'ont pas mis le court-métrage qu'il y a avant chaque Pixar, ce qui va m'obliger à aller le revoir, les saligos. Le Voyage d'Arlo, c'est quoi ? La météorite n'est pas tombée sur la Terre, les dinosaures sont toujours de notre monde, et très très vite, on comprend qu'ils ont évolué, puisque la première image du film, c'est un dinosaure qui est en train de cultiver un champ. Donc on suit la famille d'Arlo. Arlo, c'est un petit diplodocus, visiblement. Enfin, on n'en sait rien, d'ailleurs. Et non, c'est pas un diplodocus, on s'en fout. Et en fait, il a donc il a une famille, son frère, sa sœur, ses parents, etc. Et lui, il est un peu chétif. Il arrive à rien. Il est beaucoup plus petit que son frère et sa sœur. Et en fait, il veut donc mettre son empreinte sur la maison de la famille. Donc faire preuve de courage et de qualité. Et en fait, le Voyage d'Arlo, c'est un Pixar qui ressemble à plein d'autres choses qu'on a pu voir. C'est un Pixar qui est trop court. Moi, quand il s'est terminé, je me suis dit, déjà, il fait une petite 1h30. C'est un Pixar où il y a beaucoup moins d'idées que dans les autres Pixar. Il est beaucoup moins creusé qu'un Lao, beaucoup moins qu'un Ratatouille, qu'un vice-versa, bien évidemment. Et pourtant, il a un autre truc aussi, c'est que Le Voyage d'Arlo se résume à pas grand-chose. Il y a très, très peu de personnages différents dans le film. Et pourtant... Bordel, ça marche super bien. C'est très drôle, mais vraiment très drôle. J'avais rarement vu une foule, le public rire autant devant un film d'animation. Il y a des personnages qui sont hyper attachants. Spot, le petit garçon, enfin, t'as envie de l'adopter. Arlo en lui-même est assez anecdotique, même si sur la fin, il arrive à s'en sortir. Et le film est super touchant. Mais vraiment super touchant. Y a des moments où la salle pleurait. Et au final, alors c'est pas du tout comme Le Monde de Nemo, vraiment pas. Le Monde de Nemo, c'est un grand voyage, très grand voyage. Le Monde d'Arlo, t'as l'impression qu'il fait le tour de son jardin. Mais vraiment, ça marche. Et du coup, je vous conseille vivement Le Voyage d'Arlo, ça fait du bien. Et puis, comme ça, vous pourrez me faire votre retour sur ce film. Et je remercie Tech qui m'a offert une superbe affiche du film. Pour mon anniversaire, merci Tech. Toi, t'es un pote, tu me fais un cadeau. Et je vais juste répondre au chat où il me demandait quel était le nom du film coup de cœur. Ah ben L'âme de fond. Et bien voilà. Il est temps de se dire au revoir, de laisser la place à Karaté sur Albion. Karaté sur Albion. Sur Albion. Et il vous le dira pas, le Saligo, donc je vous le dis, c'est une OPSP. Ouais. C'est-à-dire qu'il est rémunéré pour faire ce jeu, il peut en dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut dessus. Mais c'est sponsorisé par l'éditeur, dont je me souviens pas vraiment du nom. Voilà, donc le jeu, c'est Albion. C'est une espèce de MMO en mode Diablo. Et il s'est mis en tête d'essayer d'atteindre le niveau 99. Non, bon courage, parce qu'on y a joué ce matin minutes. Dans la matinale. Ça a l'air d'être assez long quand même pour monter de niveau. Ouais, voilà. Donc en tout cas, eh bien, on a l'idée, c'est si karaté... Et lâché dans une arène, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est la merde. Exactement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure, 19h-21h. Ouais. Ça va être cool. Ouais. Notez-le sur votre agenda. Merci à vous d'avoir été là.
Et gros mercredi au ciné. Hein. Oui, bah on en parlera la semaine prochaine. Nous, de toute façon, car nous, on va à une avant-première et on vous en parlera très certainement mardi prochain. T'as vu cette tease? Ok, donc en tout ça, voilà. Eh bien, on est hyper content. Non, c'est le moment focus. Non, c'était un plaisir de faire cette émission avec tout le monde. Avec vous tous. Avec vous tous. Avec Tech, avec Morgan, qui est un nouveau technicien que vous avez jamais pu voir sur Gaming Live, je crois. Je crois qu'il a fait très très peu de live sur GL. Ouais. Et le truc, c'est que du coup, c'est lui qui a fait le son. C'est pour ça que c'était presque audible pendant toute l'émission. Merci à lui. Mais c'était pas terrible quand même. Non, mais on va pas lui dire. Regarde la tête de l'homme pourpre. Mec peut prendre le contrôle de tes pensées. Et c'est lui, faites gaffe à lui là. C'est lui qui m'a transformé en rouge et ça, je lui en voudrais toute ma vie. Bon, en tout cas, le chat a l'air d'être assez d'accord sur le fait que l'émission était une catastrophe. Eh bien, la semaine prochaine, ce sera sans doute pire. Désolé. C'est la courbe, c'est la pente en fait. Pour le coup. Mais on essaiera de remonter la barre. Surtout qu'on essaye de préparer des trucs vraiment de ouf pour la fin de l'année. Je n'en dis pas plus. Ah bon ? Mais peut-être un truc de ouf. Et on a prévu par exemple un truc très innovant. On a prévu les Cult & Click Awards pour la fin de l'année. Ah, c'est vrai qu'il y aura ça aussi. Et on a prévu de parler de Star Wars épisode 7 pendant 3 émissions de suite sans pause. Ah, et on l'avait pas annoncé, mais le 24 au soir et le 31 au soir, Kerr vous fait un spécial live depuis chez comme lui. Comme ce soir d'ailleurs. Voilà. Oui, et ça sera donc le 24 au soir, nous allons parler pendant 8 heures de est-ce que Breaking Bad c'est juste la meilleure série du monde. Des films qu'il a failli aller voir. Voilà. Mais finalement qu'il a regardé une merde. En tout cas, c'est un vrai plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, 19h-21h tous les mardis. Ça, c'est pour les gens qui regardent en VOD. Et là, juste après, il y a le guacaté. Le karaté. Le guacaté, exactement. Bah, la semaine prochaine. Ah, très vite. Allez, fallait que tu coupes la tech. À tout, ciao.